Hein? Là, Ouais, j'entends. là tu m'entends en fait. Oui. Ouais, j'ai compris pourquoi. C'est la misère avec les Mac 16 pouces, il y a un problème avec les micros. Enfin, je sais pas, il y a un problème quand je switch. Parce que là, j'ai ouvert le latch de mon 16 pouces et du coup, potentiellement, t'entends probablement un énorme souffle. Oui. Ouais, parce qu'en plus, c'est l'autre bug des 16 pouces, il ventile énormément quand on a un écran branché. Et moi, j'ai un LG 5K branché dessus, et voilà quoi. Ouais. Je suis en train de regarder la vidéo de SpaceX là en fait. Parce que c'est le lien que je t'ai envoyé, c'est le lien avec la station internationale. Oui, qu'ils ont arrimé cet après-midi. ISS, ouais, là maintenant ils ont carrément ouvert ils ont ouvert tous les latchs, enfin toutes les portes, tous les trucs d'entrée là. Ouais, j'ai pas encore bien compris ce qu'ils font parce que c'est marrant parce ils ont l'air d'être ouverts tous, mais ouais, c'est même rigolo parce que les mecs ils ont des iPads, en plus ils ont trois écrans énormes. Et alors moi j'étais à la cave en train de bosser, j'étais en train de bricolage, et pendant ce temps-là j'avais laissé la vidéo YouTube là en background de toute la mission, et c'est marrant parce qu'ils passent un temps de dingue à configurer des trucs, enfin des problèmes techniques comme on vient d'avoir, eux ils les ont aussi. Mais c'est assez pathétique parce que tu te dis putain merde c'est des pros, et d'abord il y a un truc qui est pathétique, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à faire de la communication, c'est-à-dire à mettre en place des caméras et des micros, machin, tatata, pour qu'on nous on puisse suivre ça. Donc en fait, il y a un gros morceau de cette aventure spatiale qui est devenue une espèce de grosse émission télévisée plutôt que de la recherche scientifique, tu vois. Et en fait, au final, c'est ça qui est un peu rigolo. C'est qu'au final, même s'ils mettent des caméras dans tous les sens, tu vois quand même rien en fait. Donc quand tu te demandes où est-ce qu'ils ont mis les caméras, parce que là par exemple, si tu regardes sur le lien que je t'ai envoyé, les gars, tu vois des astronautes d'un côté, donc les deux Russes et l'Américain, sur la ISS, et tu vois les deux Américains dans Dragon, et toutes les vues que tu as, elles sont pourries en fait. Et je crois que là, les mecs, ils vont rentrer. Mais c'est rigolo parce que ça me fait penser à vivre en live une keynote de Apple. Mais dans une autre dimension. Par contre, tu bouges plus là, en fait, tout le temps. Je t'entends, mais tu bouges plus. Tu es frisé. Ouais. Jitsi, je l'ai utilisé parce que c'est... Ah, voilà, là, tu rebouges. Là. Ouais, c'est dès que j'ouvre une fenêtre, un soleil est ouvert. Ouais. Ouais, et donc voilà quoi. Mais bon, comme je disais au début, mais tu m'entendais pas au début, je disais que j'ai prévenu les gens trop tard, tu vois, et du coup, c'est normal, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, tout ça, machin, tout ça. Mais c'est marrant parce que ça m'avait fait la même chose quand j'avais fêté les 10 ans, entre guillemets, de Comcast, tu vois. Enfin, quand je dis fêter, c'est plus pour le fun qu'autre chose parce que c'est un zombie depuis globalement 10 ans. Ouais. Mais n'empêche que même si c'est un zombie, ça me fait. Genre, apparemment, tous les 5 ans, ça me fait. Ah, on est le 31 mai, tu vois. 31 mai, c'est un jour. Ne pas oublier. C'est un jour important pour moi. Ouais. Même pas quand. En fait, je crois qu'on a enregistré la veille le 29 ou le 30, j'en sais rien. Et après, on a uploadé le 31. Et c'est juste parce que j'ai aussi des idées éventuellement cette année quand j'aurai fini le bureau là qu'on est en train d'aménager en bas. J'avais le plan de. Ah, on a quelqu'un d'autre. Ben voilà, on est trois, c'est déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Ben oui, nickel. C'est marrant parce que pendant 2 secondes j'ai cru que c'était Vince aussi parce que t'as un côté de ressemblance avec Vince. Et comme il m'avait pas répondu sur Wire, je me disais que ça pouvait pas être lui quoi. Ah ouais, non. Non, du coup, je ne sais pas si mon pseudo est affiché quelque part. Ouais, c'est affiché, ouais. En tout cas, ouais. Je crois qu'il le chope de Google, en fait.
D'accord, ouais. Ah bah non, je dis des conneries. Bah non, c'est Jitsi. Google, c'est Meet qui fait ça. Moi, je suis un peu perdu parce que comme et surtout depuis Corona, on a 650 millions de logiciels différents pour tu vois, entre Zoom, Meet de Google, Jitsi. En Allemagne, on a un truc qui s'appelle EduDeep que j'utilise surtout pour la politique. Et GoToMeeting. Mais Jitsi, je connaissais pas du tout. Ah non, bah Jitsi c'est le truc le plus open source si tu veux quoi. Après il y a Big Blue Button, c'est un truc qui est aussi pas mal, qui est bien fait pour les profs et tout ça. C'est un peu un truc aussi qui installe sur un serveur. Et après le plus utilisé c'est évidemment Zoom quoi. Et c'est objectivement avant que je finisse ma phrase, magicien juste, je suis avec vous à moitié et l'autre moitié de mon cerveau est sur SpaceX. Ah oui, bah bien sûr, oui. Je suis là, ils vont passer là. Ah là, ils ont une meilleure caméra, tu vois, Marco, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec leur caméra pourrie, mise dans tous les sens. Là, je crois que les mecs, tu dois tourner la tête des fois pour voir où étaient les sièges avant, tu vois, pour comprendre dans quel sens ils sont. Et là, ils tirent des racks, en fait, c'est rigolo, si tu regardes la vidéo en même temps que moi, si tu vas dans le chat, j'ai posté le lien là. Ils tirent des racks, alors je sais pas c'est quoi, j'ai l'impression qu'ils tirent des gros racks de, tu sais, comme dans les avions où il y a la bouffe. Ah ouais, et tout à l'heure j'expliquais, avant de revenir sur le sujet de Mac, j'expliquais à Marco qu'il passe beaucoup de temps à mettre en place des caméras, à voir si la connexion fonctionne. Donc en gros, ils font comme nous au début, ils disent tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends pas. Ah, ma caméra marche pas, j'ai un bug. Donc ils font la même chose que nous. Et un autre truc qui m'a fait délirer, c'est qu'ils passent un temps de dingue aussi à ranger ce qu'ils ont bouffé, tu vois, dans des sacs plastiques, machin, tatata. Et les mecs, ils sont en route pour juste globalement 16 ou 20 heures. Donc tu bouffes bien avant et après, tu apprends à jeûner, tu vois. Ils auraient moins de problèmes. Parce qu'honnêtement, si tu pars quelque part pendant 24 heures, je suis pas sûr que tu aies vraiment besoin de bouffer trois fois, quoi. Quand tu es un astronaute, tu es un astronaute, moi je dis après. Voilà. Et voilà. Mais de quoi je parlais juste avant là. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le son de ça. Voilà. Ouais. Et juste avant que tu arrives, je disais justement, on va pas être beaucoup, voire pas plus que nous trois. Parce que comme j'ai prévenu tellement tard, tu vois. Et qu'en plus, je me souviens pas de tout le monde sur Twitter, que j'ai perdu des gens au fur et à mesure des années, tu vois. Je sais pas où est HP Troll, des fois quand je lui écris un email, il me répond, des fois pas. Je crois qu'il est pas sur Facebook non plus, il est pas sur Twitter. Mais Vince, par contre, c'est le mec, là c'est presque, ça doit être parce que c'est le week-end, et si je l'avais prévenu vendredi, il serait venu. Mais Vince, par contre, c'est le mec avec qui je suis resté toujours en contact toutes ces années. Là, ce qui est pénible, c'est que j'ai dû ouvrir mon latch de mon MacBook 16, parce que sinon, vous n'allez pas l'audio. Alors, je vais faire un test. Attends, je vais recouper le latch pour voir. Ah non, il n'y a pas d'audio là, non. Non, c'est fini. Ouais, bon, ça va revenir. 1, 2, 3, Oui, c'est ça va nickel, ouais. revenir. Et ben voilà. Ouais. En fait, soit Firefox, soit Jitsi voit plus le micro de mon écran. Et en plus, comme le 16 pouces, il ventile à mort quand tu branches sur un écran externe. Ça, c'est tout le monde qui l'a. Voilà, il a deux, trois problèmes, ce Mac. Dans l'ensemble, je l'aime bien, mais la combinaison, de toute façon, moi j'ai chopé la génération de moniteur LG 5K qui a des merdes. La première génération, en fait, celle de 2017. C'est celle qui a des résidus, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois que l'image d'avant reste. Donc là, si je cache toutes les fenêtres, je vais avoir SpaceX pour l'éternité sur mon écran, enfin pendant au moins un quart d'heure. Ah ouais. Vous, je vous aurai aussi en bas à droite, tu vois, pendant longtemps. Et voilà quoi. Bon, vous avez des questions, sinon.
sur les 15 les 15 années passées. Ah, ça en fait beaucoup, Je hein. t'ai envoyé une image dans le chat. Ah, ça marche aussi, on peut envoyer des images dans le chat. Ah, un lien, tu m'as envoyé. Oui, ça va pas te rajeunir. Je me doute, ouais. Bah ouais, si c'est l'Apple Expo, en plus, à chaque fois que je vais... C'est marrant parce que quand je vois des photos de ça, ça me fait toujours rire parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est marrant, en fait. C'est là où on voit qu'on a vieilli, en fait. Et je vois pas d'autre explication. Ouais, non, c'est chouette, ces photos-là, je les ai encore. Puis c'est marrant parce que pour le coup, j'ai réussi à garder le site en archive quand même. Je me suis quand même donné un peu de mal au fil des années. C'est dommage que POF puisse pas venir, ni POF, ni Feel Good. Parce que pour le coup, POF, à l'époque, il a fait avec le site au niveau JavaScript, machin, tralala. Parce que je suis à chaque fois surpris de chaque fois qu'on fait une mise à jour du site dans la version supérieure de WordPress, il n'y a pratiquement rien qui casse en fait. Ce qui est assez impressionnant quand même, parce que Oui, c'est normalement, joli, tu ouais. vois, parce que 15 ans après, ce site tourne toujours, tu vois. Et pendant longtemps, mais pendant vraiment très très longtemps, je suis resté sur une vieille version de WordPress, genre 2.7. Et il y a 2 ou 3 ans, je crois, on est passé à WordPress 4, 4.9, enfin entre-temps 4.9, la dernière version de 4. Je n'ai pas encore passé à WordPress 5. Et du coup, c'était formidable parce que subitement, j'avais un admin utilisable dans WordPress, parce que sinon l'admin au fil des années était complètement en vrac, tu vois. Il y avait tout qui était en double. Mais par contre, j'ai un bol énorme, c'est que malgré le fait que j'étais resté sur une vieille version, je ne me suis jamais vraiment fait attaquer, tu vois, dans genre un plugin ou quoi. Mais voilà. Après, j'ai la méga flemme de mettre les mains dans le cambouis, parce que voilà, c'est WordPress, quoi. Puis après, je dois débugger un plugin en PHP ou en JavaScript, tu vois, j'ai pas envie quoi. Et sinon, tu développes encore Ce toujours? sera probablement. Ouais, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai arrêté podcast quand j'ai commencé le dev iOS, en gros. Et j'ai pas arrêté depuis 2008. Ouais, j'ai commencé avec iPhone OS 2 et puis j'ai jamais arrêté. Alors j'ai fait différentes choses. J'ai bossé comme freelance à l'époque. Puis après, entre 2014 et fin 2019, j'ai eu 3 différents jobs. Je suis retourné dans des boîtes. Après, c'est difficile de me mettre dans une boîte, tu vois, parce que avoir un chef, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Donc là, j'ai recommencé, j'ai réessayé en tant qu'indep. Et là, ça fait 2 semaines en gros que je rebosse sur un projet en tant qu'indep. En tant que freelance, et ouais, je fais une app de shopping, et pour le coup, je la fais en SwiftUI, iOS 13. Ouais, donc j'ai suivi tout, quoi. Parce que moi, je suis le mec qui saute sur les premières techno dès qu'elles arrivent. Donc, quand il y a eu Swift en 2014, j'étais dessus. Et c'est assez mature pour le Les moment. SwiftUI, je suis tout de suite. SwiftUI pour faire tout en... SwiftUI, c'est aventureux, hein, on va dire. Hein. Mais Ben ouais, ça dépend de ce que tu fais. De toute façon, tu as une passerelle UIKit. Hein. Donc, tu as une passerelle UIKit qui s'appelle UIView Representable, justement. Où s'il te manque des trucs dans SwiftUI, est-ce qu'il manque des trucs dans SwiftUI? Il manque plein de trucs. Hein. Bon, je te donne un exemple parmi tant d'autres, il n'y a pas de du. Donc, si tu fais une app avec des WebView, ce qui est le cas, le projet sur lequel je bosse, moi, c'est une app hybride, tu es obligé de faire une passerelle vers UIKit. Donc, ça me rappelle un peu l'époque où on avait des passerelles vers Objective-C, tu vois. Voilà, c'est une période de transition, c'est toujours comme ça au début. T'as toujours, les mecs, quand ils ont écrit des apps en Objective-C au début, ils avaient aussi plein de C dedans, ou du carbone ou des trucs ainsi. Donc, c'est toujours une période de transition, mais sauf que moi, j'ai une spécialité, c'est que je suis toujours le premier en fait. Donc je me mange toujours tout en fait dès le départ. T'essuies tous les C'est-à-dire que plâtres. j'essuie tous les plâtres en fait. Je google des trucs où il n'y a personne qui a eu ce problème évidemment, puisqu'il n'y a personne qui utilise la techno, tu vois. Donc sur Stack Overflow, je trouve rien. Couplé au fait que j'utilise en général pas Google pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que j'utilise Ecosia en Allemagne ou Lilo en France, qui sont des plateformes écologiques. Mais comme elles sont toutes basées sur Bing et pas sur Google,
D'un côté, chapeau à Microsoft parce qu'au moins ils permettent à des sociétés, des bonnes sociétés comme Ecosia et Lilo de faire des bons projets. D'un autre côté, Bing, c'est pas Google, quoi, au niveau résultat de recherche. Donc des fois, ça m'arrive quand je vois que c'est à chier ce que j'ai sur Ecosia ou Lilo, ouais, je tape google.com et je cherche sur Google exceptionnellement, quoi. Mais ouais, moi je fais du SwiftUI, je fais du Catalyst aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelques mois, il y a un client qui est venu qui m'a dit qu'il voulait en gros un espèce de browser un peu spécialisé pour le Mac. Et il m'a dit je veux que pour Mac. Mais moi, d'une part, je ne fais plus des apps en AppKit si ce n'est pas nécessaire. Et d'autre part, si un client qui te dit qu'il veut une app Mac, tu peux bien être sûr qu'à un moment donné, au tournant, il va te demander une app iOS, tu vois. Donc ce serait débile aujourd'hui de l'écrire en. Mais même chose, hein, Catalyst, Mac Catalyst, c'est un peu la fête aussi, quoi. Ça va, hein, c'est moins pire que SwiftUI, et SwiftUI, c'est pas non plus aussi en vrac que Swift à l'époque. Enfin, je crois pas, j'ai un peu de mal à me souvenir. Mais voilà, et puis dans 2 3 semaines, il y en aura une nouvelle version de SwiftUI, des improvements dans Mac Catalyst, machin, patata. Ouais. Et pas de regret là d'avoir dû arrêter ta conférence. Je l'ai en fait, je Enfin, l'ai donné en fait. tu l'as vendu à la société pour laquelle tu Je l'ai pas travaillais. vendu, je l'ai donné, je l'ai laissé, je l'ai laissé à la, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Ah mais les mecs voilà ils arrivent, là ils passent, ils nagent, les mecs de SpaceX, voilà ils nagent, ils passent et puis ils s'embrassent, ce qu'on peut plus faire nous entre-temps. Les mecs ils se donnent la main, tu vois, c'est surréaliste en 2020, ils se donnent la main. Ben là ils peuvent parce que de toute façon. Au fait, j'enregistre ça, hein. Chez moi, vous avez sûrement eu l'enregistrement au début. Donc, éventuellement, en fonction de ce que ça va être, ça pourrait être rigolo. Et si vous me donnez la permission, je le dropperai. Et du coup, de temps en temps, il faudrait peut-être comprendre ce qu'on fait et pourquoi je fais des commentaires bizarres en parallèle. C'est qu'on enregistre pendant que la mission SpaceX de comment ça s'appelle Draco se colle avec les mecs de l'ISS, donc les 4 Américains, les 3 Américains et les 2 Russes. Le mec, il a un micro, il parle. Et les mecs, ils ont nagé là. Et du coup, le côté surréaliste, c'est. D'une part, si je redémarre un jeu Pomcast en 2020, ce ne sera pas Pomcast de 2005, parce que stuff, il a changé. Tu vois. Donc à l'époque, je parlais que d'Apple, tu vois. J'étais le petit jeune que tu vois sur la photo que tu viens de m'envoyer là, qui était à 100% Apple, qui avait pas grand-chose d'autre dans sa vie. Je pense, en tout cas, je ne me souviens pas, mais je pense. Et entre-temps, je suis devenu quand même plus politicien qu'informaticien, plus activiste que activiste avec un H. Du coup, ça changerait quoi. Mais pour en revenir à ce que je disais avec les mecs, ils peuvent se donner la main et se faire des hugs et tant qu'ils veulent, parce que les gars, ils étaient en quarantaine. Les deux qui viennent de rentrer, ils étaient en quarantaine, ils n'ont pas touché leurs enfants. Sauf à ceux, ah ça c'est un truc qui m'a fait rire. Vous avez peut-être pas vu, mais juste avant qu'ils partent, ils vont voir leur famille. Donc ils ont tous les deux juste une femme et un garçon de à peu près le même âge, genre 8-10 ans. Et donc ils restent genre à 1 mètre, 1 mètre 50 des uns des autres. Et puis ils font semblant de se faire des hugs parce qu'ils ne peuvent pas se toucher. Mais, et c'est là où c'est rigolo, après, là j'ai perdu le stream de l'autre côté. Mais vous, je vous ai toujours. Refresher. Mais après, donc les mecs ils rentrent dans une Tesla X, alors ce qui est assez intéressant quand même. Ben merde, alors Watch Replay, il n'y a plus de live en fait. Ça alors c'est rigolo. SpaceX, il n'y a plus de live. Du coup, il faut aller sur le site de la NASA. Ben ça alors, les mecs, à mon avis, ils n'ont pas les droits. C'est À comme quand tu. l'intérieur, ouais. C'est ça, ouais, c'est comme quand tu retransmets du foot. Ils n'ont plus les droits, donc il faut changer de site, il faut passer de SpaceX sur nasa.gov. Et là, je suis sûr que tu peux continuer Official Stream from NASA, voilà. Là, tu peux continuer. Et là, si tu as de la chance, mais ils en ont perdu un. Ah non, c'est celui qui filme. Ah ouais, parce que les mecs, ils sont obligés de filmer eux-mêmes. Hein. Ah, il faut être polyvalent, hein, en tant qu'astronaute, hein. Ah putain, les mecs, ils font tout, hein. C'est ça qui fait super rire, quoi. Le gars, il a passé globalement, il a passé 2 heures, l'Américain, là, sur la ISS, il a passé 2 heures à mettre en place des caméras, tu vois, pour être sûr d'avoir le bon.
le bon truc. Puis les mecs, et les mecs dans la dans Draco, ils se filmaient en selfie, tu vois. Mais moi, ça me fait un peu délirer cette histoire de SpaceX parce que d'un côté, évidemment, je suis partiellement un fan de Tesla et de Elon sur le côté technique. Je roule en électrique depuis 1 an et demi, j'ai une Hyundai Ioniq. Ceci dit, je regrette vraiment pas d'avoir économisé un tiers du prix du véhicule pour ne pas avoir une Tesla. Mais d'un autre côté, et je suis un peu SpaceX, machin, tatata, mais d'un autre côté, je trouve ça relativement surréaliste les efforts qu'on met en place pour ces 5 mecs-là, comparativement à d'autres choses qui se passent pour le moment, par exemple aux États-Unis, quoi, tu vois. Ouais, en effet, c'est C'est un ça peu devient difficile à l'aberration. justifier, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, je vais faire pause pour me concentrer un peu sur vous, puis après je reverrai ça dans une meilleure qualité. Puis après, ce qui est bien, c'est que quand tu regardes en live, c'est chiant souvent, hein, t'attends, tu vois. Il se passe vraiment rien, tu vois. Ah ben, ça demande du temps, hein, tout ça. En plus, il disait le mec quand il a repris, parce que je suis allé dormir quand même, hein, entre-temps. J'ai regardé hier soir le démarrage avec mes deux gamins, puis après je suis allé dormir, j'ai repris à un moment donné, j'ai regardé ma montre, je me suis dit, ah putain, ça doit être à peu près X, ils avaient dit genre 16 heures après. Donc depuis ce matin, à peu près, genre, je sais pas quoi, 10, 11 heures du mat. Ah ouais, quand même. je regarde ma montre là. Je regardais, ou j'écoutais surtout. À un moment donné, je l'avais sur iPad, j'écoutais juste l'audio. Puis après, je l'avais sur Mac. Parce que, attends, écouter juste de l'audio sur YouTube, c'est pas facile. Hein, parce que souvent, ça s'arrête, tu vois. Parce que alors, heureusement, tu peux te mettre en 144p, tu vois, si tu n'en as rien à faire de la vidéo. Et évidemment, il se passe des fois, pendant 1 heure, il se passe rien, quoi, tu vois. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est finalement, je trouve que c'est mieux, c'est un peu des Netflix, en fait. C'est mieux si les gens les regardent pas, en fait. Parce que surtout quand j'ai. Alors moi, j'ai jamais été accro à Netflix, mais là, comme j'ai acheté un nouveau Mac, ben, j'ai Apple TV gratuit. Et comme je suis client chez la Télécom, en gros c'est le plus gros provider de téléphonie mobile en Allemagne, j'ai Disney Plus gratuit aussi. C'est Pendant déjà 6 mois. disponible en Allemagne. Ouais, alors en Allemagne, en France et en Hollande. C'était d'abord en Hollande et c'est arrivé d'abord en Allemagne et un peu plus tard en France. Et moi je l'ai eu en Allemagne assez, je l'ai eu fin mars, je pense, le 24 mars, quelque chose comme ça. Ça fait 2 mois que j'ai Disney+. Et je l'ai pendant 6 mois gratuitement. Et TV+, je l'ai pendant 1 an. Et du coup, c'est bien que ce soit gratuit. D'ailleurs, c'est pas cher, 5 euros par mois par rapport à un contenu, machin, patata. Mais c'est un peu le problème, c'est que tu deviens un peu complètement accro au truc parce que tu l'as. Tu vois, c'est horrible. Et du coup, je me suis trouvé dans cette situation où j'ai commencé à regarder. Alors, au début, j'avais que Apple TV+. Pendant quelques semaines, et j'étais pressé d'avoir Disney Plus parce que je me doutais bien que Disney Plus ça allait être plus mortel, surtout quand tu as 4 enfants, tu vois, entre 4 et 14 ans. Alors, celle de 14 ans, elle compte pas parce qu'elle s'en fout. Elle veut juste voir comment ça s'appelle cet horrible film d'horreur. Ça s'appelle Ça, je crois, ou It, un truc comme ça. Mais Avec en le allemand, c'est ça. clown là. Ouais, ça s'appelle comment en français? Parce qu'en allemand, ça Ça. s'appelle. Ça, ouais. Je me suis dit. Ben voilà, parce qu'en allemand, ça s'appelle S, et en anglais, je crois que ça s'appelle It. Et elle veut voir ça, parce que ma fille de 14 ans, elle veut regarder des films d'horreur. Moi, j'ai pas trop envie parce que je me dis que c'est pas une bonne idée. Mais bon, soit. Et donc ça, c'est pas. En fait, il n'y a rien dans le catalogue de Disney Plus qui lui plaît. Il n'y a rien dans le catalogue de Apple TV Plus qui lui plaît, tu vois. Et je lui ai bien fait comprendre que moi, si tu veux maintenant acheter des films sur iTunes comme je le faisais à l'époque, j'ai un peu pas envie, quoi, tu vois. J'ai un catalogue monumental. Et donc, pour en venir à Apple TV+, au début, c'était pourri. Enfin, au début, il n'y avait rien. Tu vois, il n'y avait vraiment rien. Au début, je me disais, putain, ils font chier leur truc. J'ai regardé rapidement Si, le truc avec les aveugles, là. Oh, j'ai pas réussi. Non, mais j'ai regardé juste le début. Je trouvais, mais pendant genre, j'ai regardé les premières 10 minutes et j'ai trouvé Oh, ça. j'ai pas été plus loin, je crois non plus. Voilà. C'était tellement mauvais. Et puis c'était tellement flippant en plus, parce que je l'ai regardé avec ma fille de 12 ans, c'était un peu flippant quand même. Mais après, à un moment donné, j'ai découvert Home Before Dark. Et moi et ma fille de 12 ans, on est devenus accro à Home Before Dark.
Un peu comme on est accro à, dans une certaine mesure, à Harry Potter. Et ma fille, évidemment, elle est capable de regarder la même série plusieurs fois. Mais heureusement, chez nous, on a la chance de pouvoir changer les langues, tu vois. Donc au début, on regarde. Alors il y a une espèce de loi chez moi où on ne peut pas regarder des trucs en allemand. Et des fois, la loi est cassée. Surtout que sur Disney+, tu as des trucs qui sont que en anglais et en allemand quand tu es sur le. Donc, c'est là où j'étais justement super content d'avoir enfin du streaming à la Netflix, c'est que tu n'achètes plus un truc dans une langue. Parce que moi, pendant des années, j'ai acheté des films des fois sur le store allemand et des fois sur le store français pour avoir des trucs en français ou en allemand. Tu vois. Du coup, j'ai jonglé avec mes deux comptes, machin, tatata. Très content d'avoir une Apple TV parce que c'est le seul device où tu peux vraiment jongler entre deux comptes. Tu vois. Là, j'étais content d'avoir le truc, mais du coup, on change de langue. La première fois, on l'a regardé Home Before Dark, alors j'ai regardé en entier déjà les 10 épisodes en français, et puis là, on l'a commencé en anglais. Bon, mais ce que j'aime pas, c'est le côté t'es accro au truc, tu vois, parce que. Et pourquoi tu interdis l'allemand à tes enfants? C'est quoi la raison? Non, c'est, on Enfin, je tu parles. suppose qu'ils vont à l'école en allemand, Oui, donc bah, c'est-à-dire ils sont leur langue voilà. primaire, leur langue maternelle, Ok. c'est l'allemand. Hein. Non, jamais j'ai interdit l'allemand parce que c'est tous des nazis. Non, Non, mais je non. dis, c'est Non, mais justement la question est justifiée, en fait, c'est pour. pour qu'ils apprennent une deuxième langue, comme justement, Voilà, je c'est pour suppose. imposer le français, en fait. Et l'allemand, ils sont parfaits en allemand, c'est leur langue maternelle, ils parlent allemand avec leur maman, ils vont à l'école en Allemagne. Ils parlent parfaitement allemand. Mais j'ai réussi à leur donner un français pas trop mauvais, les trois grands en tout cas, parce que le petit c'est un peu un cas spécial. Parce que j'ai surtout toujours été, surtout avec les plus jeunes en fait, surtout il y a longtemps, au début j'ai prétendu pas parler allemand, tu vois. Ouais. Et ça marche, tant que les enfants ils sont tout seuls et tout petits, tu vois. Après, rapidement, au bout d'un moment, mes filles, elles ont compris que je parlais allemand, évidemment, surtout avec leurs copines. Elles m'ont dit, mais attends, je comprends pas. Tu dis genre, tu parles pas allemand, mais avec mes copines, tu parles allemand. Et je dis, ouais, non, mais c'est juste parce qu'elles parlent pas français. voilà, quoi. Et après, le petit, c'est un peu un truc compliqué, le tout petit de 4 ans. Alors, ma mère, alors ça, c'est une histoire de ouf, parce qu'avec lui, je parle espagnol. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, d'une part, mon espagnol, il y a 10 ans ou il y a 14 ans, n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. D'autre part, mes parents à moi m'ont toujours parlé français, même s'ils ont tous les deux espagnol. Donc j'ai entendu beaucoup d'espagnol dans ma tête et j'ai aucun problème à prononcer les R, machin, tatata. Mais je n'avais pas de raison de parler espagnol ni avec mes enfants ni avec mes parents. Sauf que ma mère, enfin sauf que mon père est mort la même année que Steve Jobs en fait. Pour moi, faut que je réfléchisse. Ouais, en fait, moi, je réfléchis 3 mois avant Steve Jobs en 2011. Et du coup, ma mère, elle a retrouvé. Des fois, ça fait un peu rire mes potes quand je parle de la vie amoureuse de ma mère. Mais ma mère, qui à l'époque avait, j'en sais rien, moi, 63 ans, je crois, a retrouvé assez rapidement, de manière assez sympa, genre 2-3 ans après, un copain. Donc ça, c'était pas mal. Mais elle a trouvé un Espagnol en Espagne. Il parlait, évidemment. Comme dans la grande tradition des Espagnols, que l'espagnol. En plus, le mec était super gentil, mais évidemment pas. Il n'avait pas inventé le fil à couper. Il n'avait pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. C'est pas le mec le plus brillant de l'univers. Enfin, pour lui, le Pérou, c'était en Afrique, en gros. C'est une histoire vraie, ça, en plus. Donc, il fallait pas s'attendre à ce que le mec allait apprendre à parler français. Et du coup, je me suis dit, ce serait plutôt pas mal si mon petit, qui donc est né alors que. Donc mes garçons, ils n'ont pas connu mon père. Parce que mon petit, il a 4 ans et mon grand, il a 7 ans. Donc mon père, il est mort il y a 9 ans, entre temps. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal si le petit, plus tard, parlait avec son grand-père, d'adoption, entre guillemets, mais qui pour lui, c'est son grand-père, parce qu'il n'a pas connu mon père. Et du coup, j'ai commencé à parler espagnol avec lui. Et la langue de définition entre nous est restée l'espagnol. Sauf que, maintenant la donne change, ma mère elle est restée 5 ans avec le gars, qui au final s'est avéré l'avoir trompée, donc elle a quitté le gars. Elle était pendant pas longtemps toute seule, parce que j'ai découvert que ma mère avait pas de mal à trouver des copains, ce qui est plutôt pas mal à son âge. Entre-temps,
elle vient d'avoir 72 ans. 72 ans, ouais. Et elle a retrouvé, ma mère, elle a retrouvé un copain, genre le 31 décembre 2019, quelque chose comme ça. Mais cette fois-ci, elle a trouvé un bon Belge, un bon Carolo. Alors, c'est ça, ça devient rigolo parce que lui, évidemment, il parle pas espagnol. Bon, il est un peu d'un niveau un peu supérieur à l'ancien et c'est un mec génial et tout ça. Mais je crois qu'il, lui, il pourrait probablement apprendre un peu l'espagnol. Mais ça n'a pas de sens que mon gamin parle espagnol avec lui. Et mon gamin, le tout petit, évidemment, une des raisons pour lesquelles il parle pas pour l'instant rien d'autre que à part quelques mots. Alors, il comprend tout, hein. En espagnol, il comprend tout. En français, il comprend beaucoup. Il réagit mieux en espagnol qu'en français, évidemment. Mais il ne parle pas grand-chose. Il parle quelques mots d'une langue et quelques mots de l'autre. Mais il a, d'abord, c'est une tête dure au niveau caractère. Ensuite, évidemment, il n'est pas complètement idiot. Il a bien compris que je parlais allemand. Puisque, entre-temps... Et troisième chose, c'est un podcast sur l'éducation, en fait. Voilà, un podcast. C'est... Avant, c'était un podcast sur Apple. Et maintenant, c'est devenu un podcast de daron, en fait. En plus, j'avais ce concept à l'époque avec comment il s'appelait le mec de Paris qui avait un double prénom dans Pomcast qui faisait une pomme aussi à une époque. Soit, ça me reviendra. J'ai pas eu de contact avec lui depuis des années. Et on avait pensé à l'époque de faire un podcast de papa, en fait, en gros. Finalement, on l'a pas fait. Et donc, pour terminer sur mon gamin, ouais, le truc, c'est je pense que je suis pas le seul père à lâcher un peu du lest au fur et à mesure des enfants qui arrivent. Et donc, la discipline, c'est plus ce que c'était. Et donc, ça veut dire que je suis pas aussi conséquent qu'avec mes filles. Avec mes filles, si je me souviens bien, quand elles me posaient une question en allemand ou quand elles me parlaient en allemand, je répondais juste pas, en fait. Et avec lui, je réponds, en fait. Et c'est ça l'erreur. Et ça, je le sais parce que je connais aussi des gens qui ont des enfants bilingues. Enfin, je connais des couples bilingues, entre guillemets, et qui sont dans la même situation où les enfants comprennent tout mais répondent toujours en allemand, par exemple. Et je sais que c'est parce qu'eux, ils répondent aux communications venant de l'allemand, quoi. Donc, je ne sais pas. Du coup, je suis en train de me tâter. Et je pense qu'une des raisons, c'est aussi que mon gamin, il est un peu perturbé aussi de toutes ces langues, tu vois. C'est pas facile pour lui, je comprends. Grandir avec trois langues. Mais du coup, je sais pas. Je lui ai demandé ce matin, justement, ou hier, je crois. Je me souviens plus. Je lui ai demandé s'il préférerait que je lui parle. Je lui ai posé la question en espagnol, parce que c'est ça qui est rigolo. En français ou en espagnol. Et il m'a dit français. Alors, je me suis dit, bon, ok, on va parler français avec lui. Mais ça fait bizarre, hein. Ça fait super bizarre quand tu parles avec quelqu'un pendant des années. En l'occurrence, mon gamin, je parle avec lui en espagnol depuis qu'il a un an et demi, je crois. Peut-être même un an. Donc avant même qu'il puisse me répondre. Hein. Ça fait bizarre quand tu changes de langue, quoi. Voilà. Bon, sinon, sur la photo là, que tu m'as envoyée, on avait encore des eyesight, en fait. Et je sais pas si tu as vu Magicien, mais dans le chat, Marco il a posté un lien vers une image. Oui. Et c'était mon vénérable, pas vénérable du tout d'ailleurs, c'était une merde, MacBook blanc. C'était une merde parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était les MacBooks qui cassaient en dessous du. C'était le plastique qui cassait en dessous de l'écran, du clavier. Ah, la fabuleuse époque des fissures. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je vois que il avait des fissures. Et, Ça, c'est pas vraiment amélioré avec le temps. Hein, avec le MacBook 2020, là, ton CSPOS qui a aussi des problèmes. Il a d'autres problèmes, quoi. Ouais. Bah, au moins, il casse plus. Il est comme depuis qu'ils le font en aluminium, c'était une bonne idée. Surtout qu'entre temps, au niveau. Parce que ça, c'est un truc qui changerait énormément dans Pomcast si je redémarrerais le truc en vrai. J'aurais des thématiques plutôt écologiques, entre autres, et éthiques. Et on peut dire qu'au moins, l'avantage de ce MacBook, c'est que malgré qu'il soit en aluminium, et l'aluminium, c'est pas très écologique en soi, de la manière dont on le fait, au moins, cet aluminium-là, il est recyclé. De mémoire. Quoi que je dis, c'est une connerie, en fait. C'est peut-être juste pour les téléphones, en fait.
Donc ça, c'est pas un problème, au moins, ça casse plus. Au niveau hardware, ils ont plus ces conneries-là. Mais par contre, ils ont des tas de conneries. Alors, on va passer l'époque des claviers. Hein. Moi, je suis la chance de retomber sur un bon clavier. Ou en gros, sur un clavier comme il y avait en 2012. Quoi. Parce que j'ai aussi un MacBook 12 pouces de 2015. Il n'existe plus. MacBook avec Retina. Et lui, il a le clavier, l'ancien clavier et il a commencé à avoir quelques problèmes aussi. Quoi. Aïe. Là, ce qui m'embête avec cette machine, c'est effectivement le fait que ça ventile comme un dingue quand tu branches sur un écran. Et tu le branches ton écran à gauche ou à droite ? Enfin, sur les prises Thunderbolt de gauche ou de droite ? Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un souci justement. Je ne change rien. Que c'est... Ah non, c'était pour le charger. Donc si tu mets ton chargeur d'un côté... Non, mais charger, ça charge l'écran, il charge. Oui, mais si tu mets le chargeur de ton MacBook sur le côté gauche, je pense, alors les ventilateurs tournent à fond, alors que si tu le mets sur le côté droit, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Vrai que j'ai entendu parler de ça. Ouais. J'avais lu ça sur IGN ou MacG, je ne sais plus. Enfin... Oui, des trucs à la Apple, quoi. Faudra que je cherche, mais honnêtement, c'est vraiment pas les trucs dont j'ai envie de m'occuper, tu vois. Non. Il y a des tas de choses comme ça où tu te dis, merde, putain. T'as envie que ça branche, quoi. Si jamais on élite cette vidéo, je voudrais juste pour la postérité dire que la tête que j'ai, c'est à cause de Corona. Parce que je suis pas encore retourné chez le coiffeur depuis... J'y suis pas retourné non plus. Même si ça fait deux semaines qu'ils ont réouvert. Mais je vais devoir y aller quand même parce que samedi prochain, j'ai une émission interne sur la liste verte. Comme après, on va faire plein de photos, machin, tatata, où je vais me retrouver peut-être après en. Bon, je crois pas en 4x3, mais en A1 ou A2. Peut-être un peu partout dans la ville, il faudra peut-être quand même que j'ai une tête un peu présentable. Et puis je me raserai aussi. Mais là, c'est Pomcast, on s'en fout. D'ailleurs, le background derrière, c'est du gros n'importe quoi. Mais parce que d'habitude. Alors, normalement, si je l'avais fait sur autre chose, il a découvert que j'avais un nouveau audio device détecté en le mettant à droite, alors que si je l'avais mis à gauche, ça marchait pas. On va voir s'il s'est changé mon micro. Parce que ça, c'est un numéro en soi. Eh ben non. Il a dit qu'il avait détecté, mais il n'a rien. Fail to access your microphone. Ah, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va rester sur le micro interne. Le son doit être totalement pourri. D'ailleurs, je verrai après l'enregistrement. Là, ça termine sur ma Dropbox. Je verrai la qualité. Mais si le son est totalement pourri, on aura fait juste ça pour nous. Remarque, je suis un peu le mec qui fait podcast. Je devrais avoir des micros. Je les ai, mais c'est... Alors justement, c'est une des raisons pour laquelle c'est le bordel derrière moi. C'est que ça fait 2 ans qu'on a déménagé. À peu près 2 ans, ouais, ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'on construit mon bureau à la cave. Si tu veux, c'est un chantier de dingue. Et du coup, là, je suis en live depuis notre chambre à coucher, en fait. Ok. Et donc, là, d'un côté, je me sens jeune comme il y a 15 ans, parce qu'à l'époque, j'avais mon bureau aussi dans la chambre à coucher. Enfin, je dis des conneries. C'était juste avant Pomcast. On n'avait pas de bureau séparé. J'avais mon bureau dans la même pièce. Donc ça, c'était avant les enfants. Pomcast aussi, remarque. Mais de pas beaucoup. Et là, du coup, à l'époque, quand on a aménagé, j'ai mis de manière temporaire, depuis 2 ans, un bureau dans le coin de la chambre, et du coup on a du linge partout, on a des fardes partout, parce que on a une pièce en moins dans la maison qui est globalement la même taille qu'on avait avant, et on a le même nombre d'enfants, et c'est un bordel phénoménal. Enfin, c'est le désordre comme ça partout, parce que forcément il y a moins de place. Et du coup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après 2 ans, on est en train de voir le... Il y a de la lumière au fond du tunnel. Et si tout va bien, au mois de juin,
Le parquet va être installé et je pourrai enfin déménager dans mon bureau. C'était le plan d'ailleurs. Le plan, c'était de recommencer éventuellement Pomcast 2.0. Donc 2.0 entre autres parce que 2020. En mois de juin, ou un peu plus tard dans l'année, peu importe, mais à partir du moment où j'aurai mon bureau en bas, je comptais acheter aussi un green screen, tu vois, un truc comme ça. Et surtout aussi parce que là, on a de la chance d'enregistrer alors que personne n'est à la maison, sauf ma grande, je crois. Mais parce que s'il y avait tous les enfants à la maison, il faudrait que je ferme la porte derrière moi parce que sinon, vous n'entendrez rien. Arrêtez. Eh ben. Voilà. Ouais. Et donc, et ça va parler d'écologie alors, ton podcast 2020. Ou autre chose. Le truc c'est que c'est inhérent à moi. Quand on te suit, on a bien compris. Ça se voit sur Twitter, hein, tu vois. Je suis plus la même personne. Hein. Donc je suis entre temps, je suis donc en 2011 j'ai rejoint les Verts. En 2014 je suis atterri au conseil communal. J'ai dû le quitter en 2018 parce qu'on a déménagé, mais si tout va bien fin d'année, je serai à nouveau dans un conseil communal et régional, si tout va bien aussi. Donc, je suis très, très politique. Je suis, de par mon engagement, j'ai connu des gens ici pour la cause environnementale, des activistes environnementaux. Et donc, les gens dans la forêt de Rambach ici, qui sont en gros les mêmes personnes qui défendent, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, tu vois. Ou, je sais, quelque part du côté d'Arlon, il y a aussi une forêt qui est en train de se faire défendre aussi par des activistes aussi. Après, en 2015, je suis parti sur les routes un peu partout en Europe pour aider les réfugiés. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, par-ci par-là, quelques jours, quelques semaines éventuellement. Je suis allé à Lesbos aussi, et aussi du côté de Idomeni, en Grèce. Et donc, voilà. Et après, avec tout ça, je suis en train de réfléchir. En 2013, je suis devenu végétarien. Et en 2017, je suis devenu végétalien. Vegan, d'ailleurs, parce que j'ai compris entre-temps qu'en français, il y a une différence entre végétalien et vegan. C'est la seule langue, je pense. Parce que vegan, ça veut dire végétalien, en gros, mais dans les autres langues. Je n'ai pas compris au début pourquoi il y avait une différence. Mais la différence, c'est qu'en français... D'ailleurs, c'est rigolo pour la petite histoire, Vous êtes toujours là, au fait ? Oui. Oui. On boit tes paroles. Ok. Ouais, en fait, ce podcast, c'est Stuff qui parle tout seul. Médical, psychologique, thérapeutique. Thérapeutique. Mais ce qui est fou, c'est que la voix que tu as maintenant, c'est toujours la voix que des podcasts de l'époque. J'ai l'impression que ta voix n'a pas changé. Mais la voix, ça vieillit pas trop, je crois, non ? J'en sais rien. Ça vieillit, la voix ? Peut-être que ça vieillit. Peut-être un petit peu, mais assez tard, je pense. Genre à partir de 70, 80, j'imagine. Je pense qu'au niveau vieillissement, je m'en tire pas trop mal aussi, je pense. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être que tout le monde devrait être vegan. Il y a peut-être de ça. Hein. Voilà. Quand j'ai commencé podcast, j'avais 29 ans à peu près. Donc, voilà, quoi. Tu en étais avec ta différence de temps en temps. Entre vegan et... Ouais, en fait, c'est rigolo. C'est pour la petite histoire. J'étais dans une fête de famille, là, comme ça. Et ma plus vieille de mes cousines de Bruxelles, est rentrée dans une grande discussion avec moi, comme souvent, et elle disait « Non, mais toi, t'es pas végétalien, t'es carrément vegan. » Moi, j'ai dit « Mais tu dis des conneries, c'est la même chose. Végétalien, vegan, c'est le mot plutôt allemand, anglais, plutôt vegan, qui est devenu à la mode et que tout le monde dit vegan au lieu de végétalien. » Alors que moi, j'essayais de... Ah. On l'a perdu, là. Je pense qu'on l'a perdu, ouais. Oups. Bon, on va lui donner une chance de se reconnecter. Il va retrouver le chemin. Et sinon, ça marche bien vos activités?
Oui, alors en ce moment, c'est un peu étrange avec, avec les effets de la pandémie, quoi. Moi, je vis en Suisse, en fait. Ah oui. Et du coup, on n'a pas eu le confinement complet comme il y a eu en France. Ça a été quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qui a quand même beaucoup impacté, tout le monde. Et je travaille dans le domaine de l'audiovisuel orienté, événementiel, en grande partie. Donc là, du coup, on n'a plus rien en ce moment, quoi. Ouais, quasi chômage technique, quoi. Ouais. Ah, quelqu'un qui revient. Suis revenu. Fantastique. Qu'as-tu fait? Non, mais en fait, si Vince était là, il serait mort de rire quand je vous explique mon problème, mais mon Wi-Fi, c'est une misère phénoménale. Enfin, ça tient au déménagement aussi, parce que quand je serai dans mon bureau en bas, j'aurai du câble, enfin. Mais en attendant, faut que je configure mon Wi-Fi. J'ai configuré avec Vince il y a 2 semaines mes routeurs et à un moment donné, j'ai perdu mes routeurs. Enfin, je sais pas où ils sont. Faut que je les reset, machin, tatata. Donc, tu veux pas savoir. Donc, en gros, si je vous ai perdu, c'est probablement à cause de mon Wi-Fi. En plus, en parallèle de ça, j'ai toujours du online backup qui tourne et en général, il bouffe ton upload. Voilà. Mais attends, après je passerai sur le sujet online backup parce que ça c'est un sujet technique intéressant pour le coup et qui pourrait intéresser des gens plus que mon côté vegan. Mais je termine sur la définition qui est intéressante. Et du coup je disais ouais je suis végétalien, ma cousine me dit non, non t'es vegan, je dis mais c'est la même chose. Et voilà, en gros tu dis des conneries, machin, tatata. Ta. Et je m'emporte souvent vite et j'ai souvent la vérité ultime, tu vois. Et après coup, j'ai quand même vérifié, j'ai regardé un peu sur Internet tout ça et j'ai découvert que ma cousine avait raison, tu vois. Parce qu'effectivement, le français fait un peu la différence entre végétalien, qui est en gros est juste la partie bouffe. Donc en gros, c'est végétarien plus je bois pas de lait, je mange pas de fromage et je bois pas d'œufs et enfin je mange pas d'œufs et je mange pas de machin à base d'œufs, machin, tatata. Ta, ta. Donc la partie bouffe, c'est végétalien en fait. Et vegan, ce qui pour et c'est en plus de ça, tu portes pas de cuir, tu quoi d'autre? Tu portes pas de laine, plein de choses ainsi. Et c'est tout ce que je fais moi. Enfin, j'essaye. Après, quand j'ai des trucs que j'avais déjà avant, genre j'ai une ceinture en cuir, elle va pas mourir demain. Je continue à la porter, tu vois. Aujourd'hui, j'achèterai pas de cuir. D'ailleurs, ça me fait chier souvent quand je regarde des trucs comme 12 South. Où tu vois des housses pour iPhone, machin, tatata, il y a tellement de choses. Le problème, c'est que souvent, qualité, cuir va avec qualité, qualité va avec cuir. Ce qui est débile parce qu'en fait, c'est un truc qui nous reste du vieux monde où on a défini que voilà, pour que ce soit de la qualité, il faut que ce soit de la peau d'animal mort. Tu vois. En plus, on est passé au-delà d'imaginer que c'était un animal mort dont on avait enlevé la peau dans des conditions. Bon, soit. Parce que tu vois, les gens abstressent, en fait, tu vois, c'est comme tout à l'heure, moi. Je vais terminer là-dessus parce que c'est super rigolo. J'ai appelé mon frère pour souhaiter bon anniversaire à son fils et ils étaient en train de faire un barbecue au moment où je l'ai appelé. Donc évidemment, c'est toujours rigolo parce que quand je tombe sur le moment où ils font le barbecue, forcément, je vais discuter. Et après, ma femme a parlé de leur lapin qui était en background derrière parce qu'ils ont 2 lapins, je crois. Et alors elle demandait, ils vont bien les lapins? Et moi, j'ai dit, bah, s'ils ont chaud, tu peux les mettre sur le barbecue. C'est une déclaration de guerre, là. Non, c'est parce que si tu veux, pour moi, je suis pas. C'est ce qu'on appelle du spécisme. Je ne sais pas la traduction française exacte, mais pour moi, tous les animaux sont égaux. Donc, si. Je trouve ça ridicule. Mais les Chinois, ils bouffent du chien. Ben quoi, nous, on bouffe des cochons. Je suis désolé, un cochon, c'est vachement plus smart qu'un chien. En tout cas, vachement plus que le mien. Donc, je m'offusque pas du fait que certaines cultures bouffent du chien. Et par contre, je trouve ça légèrement rigolo que les gens disent aimer les animaux en s'occupant de leur chat, mais après bouffer une saucisse. Alors, sais pas moi. Bon, alors je vais changer de sujet et je vais passer sur le sujet technique. Ton backup. C'est un sujet de dingue. Online backup. Moi, je suis à la recherche de la solution parfaite depuis des années. Et ben, je l'ai pas encore trouvé. J'étais pendant des années chez Backblaze. Alors, c'est pas cher ça marche relativement bien. Mais ça a un énorme problème qui, en fait, pour moi, le problème dans toutes les solutions de backup pour l'instant que j'ai trouvé, c'est que le logiciel,
ils sont jamais très très parfaits, quoi. Dans le cas de Backblaze, ben c'était un truc écrit en Java qui te monopolisait tes processeurs, un truc phénoménal. Après, j'ai essayé rapidement, j'ai pas essayé Mozy, mais j'ai essayé, je crois, iDrive. Ouais, j'ai essayé iDrive pendant pas longtemps. C'était vraiment pas génial, et le logiciel non plus. Et là, je me suis mis, à la recommandation de beaucoup de gens, à Arc Backup, ARQ, comme l'Arche de Noé, qui pour le coup est un logiciel qui a démarré sur Mac à l'époque, qui existe sur Windows entre temps aussi, qui est un logiciel assez, assez bien foutu, tout ça. La différence entre eux, c'est qu'ils découplent. Enfin, au départ, ils ont commencé comme juste un logiciel et tu devais choisir toi-même où tu mettais ton backup. Donc, tu pouvais le mettre par défaut sur Amazon ou quelque chose comme ça. Et tu payais au gigabyte, machin, tatata. Entre temps, ils offrent une solution totale où ils te donnent aussi le hosting, machin, tatata. Mais j'ai découvert que leur logiciel était aussi pas génial, quoi. Par exemple, il y a une feature. Et du coup, j'ai fait la trial à l'horizon sympa parce que je crois que c'était un mois leur trial. Et là, je viens d'arriver à la fin de la trial, mais je ne vais pas payer parce qu'il y a un truc phénoménal, c'est que tu ne peux pas poser un backup. Tu stops un backup. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, ça me donne vraiment l'impression qu'il recommence à chaque fois du début. Et comme j'en reviens sur le fait que l'ordi, il est dans la chambre pour l'instant, je ne vais pas laisser tourner le truc la nuit, tu vois, quand ma femme, elle va me trucider, tu vois. En plus, ça aussi c'est un autre truc, hein. quand t'as l'écran qui est branché, un truc que je fais tous les soirs quand je veux éteindre l'ordi, c'est comme en général quand je suis pas là en train de vous parler avec le problème du micro, j'ai mon lid qui est fermé, et je travaille avec clavier écran externe. Alors mes claviers c'est en général des Logitech. Les trackpads, c'est que ceux de Apple parce que les autres c'est de la merde. Moi ça fait longtemps que je suis plus sur souris. Donc je ferme le lid. Mais du coup, je fais standby, machin, voilà, à demain. Sauf que si tu fais ça, y a des trucs qui des fois réveillent l'écran. Et quand un écran de 27 pouces se réveille en plein milieu de la nuit. Heureusement, il n'est pas genre direction le lit, tu vois. Mais c'est quand même bizarre. Et puis, c'est pas tellement l'écran qui me dérange, c'est plus aussi le fait que l'écran, il a du son, tu vois. Donc, si tu oublies de couper le son, ça te réveille avec un ping, genre une notification qui arrive, tu vois. Wow. Enfin, voilà. Ouais. Donc, du coup, finalement, ma discipline, c'est devenu au soir, je tire le câble, quoi. Du coup, comme c'est assez pratique, parce que comme le lit est fermé. Comme l'écran est fermé, dès que tu tires le câble, il passe automatiquement en stand-by, tu vois. Mais du coup, c'est chiant parce que enlever le câble, c'est pas chiant, mais remettre le câble tous les matins, je trouve ça un peu chiant. Mais comme il n'y a pas d'autre solution, voilà quoi. Et une des raisons pour lesquelles je travaille avec l'écran fermé, c'est outre le fait que j'ai eu la chance en 2017 de travailler dans une boîte où dans mes prérequis, c'était je veux tel Mac configuré avec la Total Config, machin, tatata. Et après, derrière, j'ai rajouté, j'ai dit au fait, j'aimerais bien aussi avoir un moniteur 27 pouces, tu vois. Parce que moi, je suis le mec qui essaye, en fait, tu vois. Et j'essaie jusqu'au moment où tu me dises non. Et tant que tu me dis pas non, je demande. Et souvent, 9 fois sur 10, je me retrouve dans une situation où je me dis, merde, ils ont dit oui. Tu vois. Ça, c'est comme les négociations salariales, en fait, ou négociations de prix avec un client, quoi. Tu dis, je demande ça, en fait. Et le mec, il dit oui. Tu dis, ah ouais, quand même. Moi, je pensais qu'il allait dire non, en fait. Et, ouais. Tant mieux pour toi. Ouais, et je pense que, en fait, c'est un truc qui me sidère, en fait, c'est que je pense que une grande majorité de gens qui réussissent pas à avoir des trucs, à plein de niveaux, c'est qu'ils ont juste pas essayé, en fait, tu vois. Et moi je suis un mec, je crois, enfin j'espère, relativement social, mais j'ai pas cette barrière sociale de pas vouloir essayer, en fait. J'ai pas cette gêne, en fait, tu vois. J'ai pas ce frein social qui me dirait non, n'y va pas, c'est abusé, machin, tatata, tu vois. J'y suis toujours allé, quoi. Genre, si un, si un,
Si on me demande si je sais faire quelque chose au niveau développement, ou si, genre, dans un bon exemple, ce que tout le monde dira, c'est que sur la liste des prérequis pour accéder à un job, apparemment, il y a une certaine catégorie de gens qui n'envoient pas leur candidature s'ils ont la liste qui. Tu vois? Et de la même façon, s'il y aurait un projet qui arriverait avec un truc que je maîtrise moyennement, il y a des gens qui diraient non. Ben moi, je dis oui, parce que je me dis que si les autres ils y sont arrivés, je vais y arriver aussi. J'apprendrai. Ça mettra peut-être plus longtemps, ce qui veut dire que je gagnerai moins d'argent, peut-être. Ou je devrais peut-être passer des mauvaises soirées parce que je sais que merde, il y a une deadline, machin, tatata. Ou je passerai peut-être carrément un week-end à devoir apprendre un truc que j'aurais dû connaître avant. Mais si t'y vas pas, moi je dis que bah, j'ai l'impression que j'apprendrai pas, quoi, tu vois. Voilà. Alors c'est juste hein, comme idée, hein. Ça permet de se challenger aussi, quoi. Ah mais tout le temps, hein. Ah mais ça c'est un truc. Moi déjà je me sens tout le temps con. Et ensuite, du coup, derrière, je me rends tout le temps compte que merde, putain, j'y suis arrivé. Et après, des fois, j'ai des checkpoints dans ma vie comme ça où je me rends compte que finalement, c'était pas si pire en fait. Et après, j'essaye aussi de toujours traîner avec ou d'avoir des contacts avec plein plein de gens qui me tirent par le haut, quoi, tu vois. C'est un peu la même chose en politique, quoi. Tu vois, il y a des tas de trucs où tu te dirais, parce que moi, je fais de la politique dans une langue qui est pas ma langue maternelle, donc faut y aller, quoi, tu vois. Lire des documents politiques en français, c'est déjà pas facile, mais quand tu les lis en allemand. Alors quand j'ai commencé la politique en Allemagne, j'avais quand même déjà, j'étais là depuis 8 ans quand même. Donc je pense, et mon niveau et mon allemand est pas meilleur maintenant qu'il y a 9 ans. Hein. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'étais plateau. Puis moi, je suis pas un perfectionniste. Hein. Moi, je suis un mec, il apprend jusqu'à un certain niveau et après, ça reste. Tu vois, j'y vais, quoi. Il y a plein de trucs où je ne sais toujours pas quel article c'est, Der, die, das, tu vois. Il y a plein de trucs où je ne sais pas si c'est datif ou accusatif. Mais ce n'est pas grave, les gens ils me comprennent. Pas toujours, mais en général. Et on va y aller comme ça, tu vois. En politique, voilà, c'est la même chose où je me suis dit, quand j'ai décidé en 2014 de rentrer dans le conseil communal, il y a peut-être des gens qui seraient pas allés parce qu'ils se seraient dit ils sont pas assez prêts, machin, tu vois, ils auraient peur de pas donner la bonne réponse, machin, tatata, de pas savoir de quoi tu parles. Le fait est qu'à ce niveau-là, à ce niveau de l'échelle politique communale, régionale, tu vois, où t'es pas encore un politique professionnel payé lourdement pour le faire, de toute façon, il y a plein de gens qui savent pas plein de choses. Donc voilà quoi, donc je pense que. Ouais. Enfin bon, ceci dit, ça doit pas être un podcast sur moi non plus, ça pourrait être un podcast aussi sur un. Ceci dit, ça fait 1 heure qu'on parle là, c'est déjà pas mal, hein. En effet. Et je me posais une question justement par rapport au backup en ligne. Tu dis les logiciels, ils sont pas au niveau, mais du coup, ce serait pas possible d'utiliser quelque chose comme Carbon Copy Cloner qui va mettre sur l'hébergeur? Ouais, sûrement, ouais, en fait. Ça fait longtemps que j'entends parler de CCC, en fait, depuis longtemps. Très mauvaise abréviation, d'ailleurs, pour un logiciel. Hein. Ça me rappelle un peu une mauvaise époque. Mais ouais, sûrement, ouais. Mais il faudrait que je me penche sur le sujet, quoi. Le truc, c'est que. Ouais, ça va probablement être un peu de la bricole, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Parce que moi c'est un logiciel que j'utilise au boulot, mais du coup, on ne fait pas de sauvegarde en ligne parce que bah, je travaille dans l'audiovisuel, donc on a Ouais. facilement des téra et des téra à stocker. Donc, du coup, au niveau des sauvegardes, on a des serveurs locaux Ouais. Bah, qui nous font le backup, quoi. le pire, fun fact, si tu veux un truc rigolo, j'ai une distation, Synology, DistStation, Weebay, Weebay, hein. Donc c'est pas un petit truc, c'est un truc, un grand truc, avec plein de disques dedans. Et c'est là où ça devient cocasse,
c'est que je crois qu'elle est remplie en fait, mais avec des disques de tailles différentes. Et au final, elle a, parce que j'ai deux disques de sauvegarde, machin, tata, donc au final, j'ai au final, je crois, vraiment un truc ridicule, je dois avoir 4 Tera ou 6 Tera là-dessus, pas plus que ça. Pourtant, j'ai plein de disques dedans. Mais le truc fun, c'est que quand on a déménagé, depuis qu'on a déménagé, elle est à la cave. Elle est même pas dans sa boîte d'ailleurs, donc j'espère qu'elle n'aura pas trop pris la poussière et tout ça. On verra. Mais c'est la preuve que les données qui sont sur les disques là, j'en ai pas vraiment besoin en fait. Tu vois? C'est le même concept de quand tu déménages et que tu as des cartons, tu vois. Et bien, quand on était dépendant d'un endroit, on a. Donc quand j'ai démarré Pomcast en 2005, j'étais à Wesel, un peu plus au nord, et un peu plus du côté de la Hollande. Et après, on est descendu un peu plus du côté de Cologne, en fait. Et pendant 11 ans, on était là, entre 2007 et 2018. Et quand on a déménagé en 2018, évidemment, on a retrouvé des cartons qu'on n'avait jamais déballés depuis 2007. Tu vois. Donc, c'est là où tu te dis qu'on a trop de brôles, quoi. Tu vois, on a trop de trucs, quoi. Tu vois. Brawl, d'ailleurs, l'album de Angèle, que je ne peux que recommander. J'ai découvert une artiste belge phénoménale, elle s'appelle Angèle, et elle a un morceau, ça s'appelle son album, ça s'appelle Brawl, et le deuxième album, ça s'appelle Brawl la suite, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'adore vraiment cette fille, et cette femme d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je disais, on a trop de brawl. Enfin, pas tout, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je sais que nous, on a trop de brawl à la maison, qu'on a trop de machins qui s'accumulent, que régulièrement, on fait le. Alors, on a un site en Allemagne, c'est un peu comme Le Bon Coin en France, ça s'appelle eBay Kleinanzeiger, ça fait partie de eBay, mais c'est gratuit en gros, et c'est pour donner des trucs surtout, quoi. Et plein de fois, ben récemment, par exemple, quand on a acheté la maison, on l'a acheté avec plein d'outils. Le gars qui nous l'a vendu, il nous laissait plein d'outils géniaux. Et il nous a laissé, par exemple, deux tondeuses à gazon, quoi. Donc, une électrique, une toute petite électrique. Et on a quand même beaucoup de terrain et beaucoup, beaucoup à tondre, même si on ne tond jamais, parce que moi, je suis un vrai écolo, donc je tond 2 fois par an maximum. Et une énorme tondeuse autotractée à l'essence. Alors, et pendant presque 2 ans, on a gardé les deux en fait. Et récemment, ma femme, elle a dit quand même, à quoi elle sert la petite? Et moi, je suis arrivé avec des arguments à 3 francs. Tu vois, j'ai dit, ouais, mais on sait jamais, machin, tatata, on sait jamais, j'en aurais peut-être besoin, machin, tatata. Et je crois que le lendemain, j'ai dit, bon, tu peux la donner. On a essayé de la vendre pour genre 30 euros, non, ouais, on a trop de brawl, ça s'accumule, tu vois. Ça, moi, ça, c'est le truc qui me fait flipper en fait. C'est que je me dis, si à mon âge j'ai déjà plein de brawl comme ça, je connais des gens qui ont accumulé toute leur vie des trucs. Et quand ils ont, à un moment donné, quand ils ont 70 ans, tu rentres dans une pièce, tu ouvres, et il y a des trucs partout. Et le pire, c'est que moi, la dernière chose que le dernier cadeau que je veux laisser à mes enfants, c'est qu'ils doivent ranger la maison quand je suis mort. Parce que ben, j'ai rangé la cave et l'établi de mon père, avec mon frère à l'époque. Et mon père, c'était un mécano. Il avait des tas de pièces. Un mécano Volkswagen pendant 35 ans. Il avait des tas de pièces, de trucs partout. Quand on rangeait, je demandais à mon frère, qui est 5 ans plus vieux que moi, qui est un mec plus manuel que. Ce qui est rigolo d'ailleurs. C'est moi Manuel, mais celui de Manuel, qui est un mec Manuel plus que moi. Je lui demandais, ouais, tu sais c'est quoi? Et il me disait, non, je sais pas non plus. Et mon père était mort. Donc du coup, après, on a mis tout dehors, tu vois. Et encore, ça va, c'était pas si grave que ça chez mes parents. Et puis, autre avantage, ma mère vivant encore, évidemment, elle a pris pas mal de trucs. Mais je veux dire, faire les fonds de grenier. Du coup, c'est pour ça que j'essaye souvent de donner, de me débarrasser de trucs, mais je suis moins bon que ma femme. J'ai plus de mal à me séparer de certains trucs, tu vois. Alors que elle, récemment, elle a donné son bureau, tu vois, qu'elle avait depuis 20 ans. Et je lui ai dit, bah, il était super ce bureau, il avait des tiroirs, machin, partout, tout ça. Elle a dit, ouais, mais attends, on a 6 bureaux, donc c'est bon, on n'a plus besoin de bureau, tu vois. Ouais, tu vois, donc. Ben c'est vrai que moi j'ai un peu pareil là. Ben, ma mère est morte en 2010
Et du coup, encore, il y a un mois, mon frère, il m'appelle, puis il me dit, ah, j'ai retrouvé encore une caisse avec des affaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment? Et c'est vrai que c'est vite des choses que tu traînes sur la durée, quoi. Moi, j'avais même des papiers, tu vois. Mon père, il était un petit peu dans la politique, un tout petit peu. Et alors, socialiste, moi, j'ai grandi socialiste. Hein. Moi, j'ai grandi relativement à gauche, socialiste espagnol. Donc, ça ne doit pas être complètement un hasard si j'ai fini chez les Verts. Et donc, il y avait des papiers qu'il fallait régler, machin, tatata. Des comptes qui existaient encore. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais pas. Enfin, des trucs comme ça. Et puis en plus, si tu veux demander des trucs à la fin, mon père il est mort du cancer. Sur son lit de mort, commencer à lui demander, tu veux pas régler ça, ça, ça et ça. Tu vois, c'est compliqué quoi, tu vois. Et mon père c'était un mec qui, alors je l'adorais, mais il avait le don de te repousser à demain ce qu'il doit pas faire aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ça aide pas quoi, tu vois. Et quand ma mère lui demandait, on mange quoi? Sa réponse c'était toujours, peu importe. Et ma mère elle disait toujours, j'en ai pas du peu importe. C'est pour ça que moi les peu importe, les gens qui savent pas prendre des décisions, ça me saoule un peu quoi. Voilà. Bah, je crois que par rapport à ça, j'ai pris plus de ma mère que de mon père, en fait. Le mec avec les décisions bien tranchées, tu vois. En plus, je me suis un tout petit peu radicalisé à certains niveaux depuis quelques années. Donc, bon, rien de grave. Après, je suis quand même toujours apte à faire des compromis, sinon je pourrais plus faire de la politique, tu vois. Donc, voilà, quoi. Ouais, et pour ce qui est d'Apple et de ma vision d'Apple, évidemment, il y a 15 ans, ça change. Ça vous change un homme. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir choisi Apple un peu par hasard, parce qu'au final, je m'en sors pas trop mal en tant qu'écolo. Ça pourrait être pire, tu vois. Parce que quand je regarde ce que Greenpeace en pense, je me dis qu'Apple s'en sort pas trop mal sur beaucoup de produits qui sont assez proches de Fairphone. D'ailleurs, qui est le seul téléphone Android que j'ai. C'est un Fairphone. Bon, j'utilise pas souvent, mais j'adore Fairphone et donc c'est une de mes façons de les supporter, enfin tu vois, de les aider. À chaque fois qu'ils réalisent un device, en gros une fois tous les 5 ans, j'en achète un. Et puis en tant que dev iOS, avoir un device Android qui traîne quelque part, ça peut servir des fois. Là, par exemple, je dev une app en parallèle avec un dev Android et j'ai son app sur mon téléphone. Et lui, il a un 6S. Même chose, lui, il a aussi un iPhone 6S sur lequel il a mon app. Ouais, c'est qu'Apple, ils s'en sortent pas mal parce qu'ils sont en gros dans le classement de Greenpeace juste derrière Fairphone. Et ils sont même meilleurs que Fairphone au niveau énergie renouvelable, par exemple. Après, ils ont quand même des produits qui sont merdiques au niveau écologique, comme les AirPods, par exemple. Ouais, ça, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, moi, les miens. D'ailleurs, parce qu'évidemment, j'ai quand même succombé à l'époque, en 2015, je crois. Non, ça peut pas être 15. Si, 15, 2015, j'ai acheté des AirPods. J'ai quand même succombé. Mais moi, je les ai perdus entre-temps. Je sais pas où ils sont. Hein. Je pense que je suis pas le seul à avoir un moment donné. Ils sont tellement petits, ces trucs-là, je pense. Je vois que je les ai mis dans un coin, tu vois, je vais les retrouver peut-être un jour. C'est comme mon headset Jabra d'il y a très très longtemps. Genre, il y a 10-15 ans, j'avais acheté un headset Jabra. Et puis, je l'ai perdu, puis c'est tout petit. Et puis quand je l'ai retrouvé, la batterie était morte, quoi. Et récemment, justement, ma gamine de 14 ans m'a demandé, enfin, pas vraiment, elle nous a très très longtemps embêtés pour avoir des AirPods pour ses 14 ans. Je me disais, putain, non, c'est trop cher, c'est un cadeau trop cher de 14 ans, tu vois, c'est le genre de choses auxquelles j'essaie de faire gaffe, tu vois. Entre autres aussi au niveau... Status symbole, quoi, tu vois. Je veux pas qu'elle roule, je veux pas qu'elle traîne à l'école avec le dernier iPhone, avec une Apple Watch, machin, tata. Bon, pour le coup, les AirPods, j'ai rapidement compris que c'était plus vraiment un status symbole parce que j'ai vite découvert que toutes ces copines. Ceci dit, je suis ici dans la terre locale, pour vraiment
117 €, je crois. Le prix normal, c'était 159, je pense. Et avec toutes les réductions, c'était 117. Du coup, je suis succombé quand même, je lui ai acheté. Mais j'ai quand même une mauvaise conscience, parce que, entre autres, par rapport à la façon dont elle les utilise, quoi. Parce qu'elle les utilise tout le temps. Donc, je pense que la batterie va tenir globalement un an. Alors, ce qui est pratique, c'est que comme elle les a eues pour son anniversaire, je sais exactement quand est-ce que je vais, tu vois. Ma main, dans un an, peut-être deux, les iPods, ils n'auront plus de jus, quoi. Elle va les mettre, ils vont marcher pendant 10 minutes, elle va devoir les recharger, quoi. Parce qu'elle les utilise tous les jours, tout le temps. Et avec son iPhone SE, d'ailleurs, parce qu'elle avait mon 5S. Alors moi, ce qui est pratique, c'est que comme j'ai beaucoup d'enfants, je recycle, tu vois. Et ce qui est moins pratique entre-temps, c'est que comme je suis devenu relativement écologique, je change moins souvent d'iPhone qu'avant. Je pense que je ne suis pas le seul, heureusement. Ça, c'est le côté positif sur la planète, c'est que beaucoup de gens sont devenus comme moi. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous sortis de ce délire où on changeait de téléphone tous les 2 ans. Mais on est tous à peu près sur un cycle de 3, 4, voire 5 ans, tu vois. Et du coup, c'est devenu moins pratique parce que j'ai moins de téléphones. Et du coup, le dernier enfant, il chope un truc très, très vieux, en fait. Elle avait mon 5S, mais à un moment donné, elle a réussi à le casser. Elle a un don particulier, comme sa maman, c'est qu'elle fait souvent tomber les choses. Et donc, du coup, j'ai dû lui racheter un téléphone, et je voulais d'abord qu'elle ait un truc petit qui n'est pas trop tape à l'œil. Du coup, je lui ai racheté un SE d'occasion à un pote à moi pour 80 €, je pense. Entre autres parce que je lui aurais bien racheté un 5S, mais je voulais un truc qui est iOS 13 quand même. Ceci dit, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que c'était à moitié un move smart, parce que je pense que le SE première gen, il va pas avoir iOS 14, quoi. Quoique, si on a de la chance, 11 et 12, c'était les mêmes devices, je pense. Et peut-être que ce sera 13 et 14 encore les mêmes devices. Ouais, bah, y a des chances. Hein. Les rumeurs disent quand même que 14 serait peut-être là, mais bon, on verra. Ouais. Moi, je pense les doigts parce que j'ai aussi un SE. Ouais. Ouais, on est tous au SE. Voilà. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, ben moi, objectivement, j'adore mon iPhone 10, mais s'il y avait. Parce que moi, j'ai un 10 perso depuis 2017. Je l'ai eu en même temps, la même boîte où j'ai demandé mon grand écran et tout ça, machin. J'ai eu aussi un iPhone 10 à l'époque. C'était juste. J'ai vraiment changé de boîte juste au moment où l'iPhone 10 est sorti. C'était phénoménal au niveau timing. Et donc j'adore mon iPhone 10, mais honnêtement, il est trop grand, quoi. C'est un peu plus grand que mon iPhone 6S. Alors ça, c'est un truc rigolo. J'avais acheté un 6S à une époque. Et puis, donc j'avais un 5S. J'ai acheté un 6S. Donc là, vous remarquez qu'à l'époque, j'étais sur un cycle de 2 ans. Il faut voir aussi qu'en Allemagne, on avait aussi des rattachés à un contrat, machin, comme en France, contrairement à la Belgique, où c'était vachement moins cher d'avoir un téléphone, tatata. Donc j'ai pris un 6S, mais ça me faisait chier, parce que je voulais garder un petit téléphone. Mais à l'époque où le 6S est sorti, il n'y avait plus de petits déjà. Donc, et en fait, il n'y avait plus de 5S de mémoire d'ailleurs. De toute façon, j'avais un 5S, je voulais quand même upgrader au niveau technologique. En parallèle de ça, la boîte pour laquelle j'ai commencé à travailler m'a filé un iPhone 5C à l'époque. Ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, putain, les mecs, vous êtes gentils, mais mon téléphone de bureau, entre guillemets, enfin en tant que dev iOS, tu vois, ils m'engageaient comme étant leur premier dev iOS, et mon téléphone professionnel, c'était un téléphone moins bon que mon téléphone privé. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, le 5C, après, à peu près un an et demi après que j'étais dans la boîte, il y a eu le SE qui est sorti. Et justement, au niveau timing, je me souviens, en fait, quand je suis rentré dans la boîte, j'avais un 5S et ils m'ont donné un 5C, donc j'ai utilisé mon 5S. Après, j'ai acheté pour moi-même aussi, 2 ans après, un 6S. Ouais, donc ça faisait plus de 2 ans que j'étais dans la boîte, je crois. Et à peu près, un petit peu après le 6S, ils ont ressorti le SE. Et donc, il y avait cette période de temps où tu n'avais pas de téléphone 4 pouces. Et du coup, je me suis fait acheter par la boîte, justement, parce que je pouvais à ce moment-là changer mon 5C pour un SE. J'ai acheté un SE.
64 Go, je crois. Et comme le SE, en gros, bah, c'est les mêmes specs que le 6S, sauf la caméra frontale selfie est moins bonne. Et Touch ID, c'est toujours première génération, la deuxième génération. À ce moment-là, j'ai switché et je n'ai 6S à ma femme. Donc elle avait un téléphone qui était meilleur au niveau selfie. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, de temps en temps, quand on était ensemble, je disais passe-moi ton téléphone pour faire des photos. Et moi, j'avais un SE, j'étais super content parce que j'avais à nouveau un petit téléphone. Tu vois. Et après voilà, j'ai quitté la boîte. Et après, voilà, ça, c'est les devices qui me restent. C'est-à-dire, j'ai une fille qui a mon 6S, mais c'est ma plus jeune des filles parce qu'elle ne le prend pas avec à l'école et qui reste que à la maison. En gros, c'est un iPod Touch on the rocks. Elle a même une carte dedans, mais avec laquelle elle ne peut pas vraiment téléphoner. Et j'ai ma plus grande qui avait un 5S qui maintenant a mon CSE. Voilà. Et le petit de 7 ans, au bout d'un moment, je lui ai filé un 5C sur lequel il n'y a que iTunes Music en fait, pour qu'il écoute ses histoires. Quoi. Voilà. Ouais, c'est une vraie team à gérer hein, quand tu as autant d'enfants que ça au niveau. Et tu utilises le iCloud Family alors du coup ou pas? Ouais. Et alors on est tous dessus, ce qui est pratique. Et j'utilise aussi surtout beaucoup Screen Time en fait. Parce que quand même, il faut mettre des limites en fait. Surtout à mes filles, donc elles ont 2 heures par jour et le week-end 3 heures d'utilisation des apps qui sont contrôlées. Elles ont évidemment quelques apps qui sont pas de limite, comme le téléphone, le SMS, les photos, la caméra et music. Parce que music, je m'en fous, tu vois, en général. Et pour le coup, on a un abonnement aussi, Music Family aussi. Ça veut dire d'ailleurs que je donne 25 euros par mois à Apple parce que j'ai évidemment un iCloud 2 Tera parce qu'avec avec mes 130 000 photos là dans photos. Okay. Le coup, le backup, c'est pas que photos, je fais confiance. Oui, 130 000, c'est du n'importe quoi. Hein. En fait, il devrait y en avoir que 60 ou 70, j'imagine, mais il faut que je les trie, quoi. Drame de ma vie. Trier mes photos. Je le ferai quand je serai en pension, en fait. J'ai toujours dit. Quand j'arrêterai de travailler. Non, je ne le ferai pas. Non. T'auras autre chose à faire. Le jardin ou quoi? Oh, sûrement le jardin ou t'auras d'autres occupations, t'inquiète. Putain. Ça non, mais c'est pire. Le pire, c'est que t'as tellement raison, en fait. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est pas très actif, hein, tu vois, donc. Mais voilà. Ouais. Ouais, du coup, c'est marrant parce que mon use case familial, ici, c'est une vraie société, entre guillemets, à gérer au niveau du nombre de devices, du nombre de gens sur le Wi-Fi. Rapidement, tu comprends que quand il y a autant de devices qui sont sur le Wi-Fi, tu comprends ton malheur, quoi, tu vois. Si tout le monde, en plus, tu vois, en époque Corona, homeschooling, tout le monde fait du stream, tu vois. Bon, y en a un qui est sur Jitsi pendant que l'autre est sur Zoom, pendant que le troisième est sur GoToMeeting. Ça commence à devenir compliqué. Le nombre de Mac, ça commence aussi pendant très très longtemps, j'ai réussi à survivre avec en gros un Mac Pro bien configuré à max et un Mac perso qui était en général le petit. Moi j'ai souvent eu, à l'époque j'avais un 17 et un 11, là j'ai un 16 et un 12. Et j'ai toujours mon iPad Air 2. Alors là pour le coup écologiquement je suis assez fier de moi parce que les iPads j'en change que au... j'ai eu un iPad 1 et j'ai un iPad Air 2. Et peut-être que cette année-ci, je changerai. Peut-être. Mais du coup, ça, c'est un truc où ça ne scale pas trop bien parce que ma femme est prof, donc elle a besoin d'un ordi aussi de temps en temps. Du coup, évidemment, surtout sur les deux Mac, on a tous les comptes configurés. Mais du coup, l'autre petit Mac, ce que moi j'appelle le petit Mac, le 12 pouces, il passe souvent des mains de ma femme à ma fille. Des fois à l'autre fille, entre temps des fois à mon fils parce que je lui ai montré comment décharger les photos de son drone.
Attention, un drone genre à 29 €, 39 € qu'il a eu à un oncle. C'est le drone le plus pourri de l'univers, le plus pourri de l'univers, mais il a quand même une caméra avec une micro SD card où quand tu regardes les résultats des vidéos, mon gamin, il est super emballé, mais c'est parce qu'il a 7 ans. Parce que la qualité, c'est vraiment pourri. Quoi, Et c'est soit du 640, 480? c'est du Non, comment? VGA ou je sais pas quoi. Enfin, si je crois que c'est même c'est du SD, j'imagine. Enfin, c'est un truc vraiment pourri. Hein. Mais je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que je lui paierai un vrai drone. Enfin, je lui paierai à lui et à moi, à nous deux. Et du coup, entre-temps, ça scale pas trop bien, mais le problème va se résoudre par le fait que je vais probablement. Ben, ça arrive à la maison, je crois, justement. Je vais probablement acheter au bout d'un moment un nouveau Trescousse. Ah, voilà. Elle a fermé. Ça, c'est rigolo, ça aussi. Vous êtes toujours là? C'est Oui, bon? ça, Ah, ok. ça saccade Parce un que des peu, fois, je vous mais. vois plus bouger ou je vous entends. Saccadé un peu quand elle est Du coup, rentrée. voilà, je vais probablement m'acheter un 13 pouces au bout d'un moment. Parce que ce qui est bien avec les Mac, c'est que tu peux les multi-configurer avec multi-user, tu vois. Parce que c'est ça la problématique de tous les devices iOS pour l'instant, enfin, sauf tvOS. C'est que les iPads et les iPhones, encore l'iPhone, je comprends. Mais l'iPad, ce serait quand même vachement pratique. C'est un des trucs que j'espère pour iOS 14. Enfin, c'est un des trucs que j'espère depuis toujours, hein. Je crois tout le monde, en fait. C'est le multi-utilisateur, en fait. Tu vois. Et dans une certaine mesure, tu as moyen de configurer ça avec l'app School, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais ça ne résoudrait pas mon problème de screen time, en fait. Ce que je voudrais, idéalement, pour moi, ce serait qu'il y ait un iPad de famille. D'autant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que tu peux faire juste sur iPad. Et voilà, quoi. Ça, c'est aussi une expérience que j'ai fait il n'y a pas longtemps au niveau iPad. C'était intéressant aussi. C'est fin 2019, j'ai perdu mon job. Bon, rien de dramatique hein, dans ma position à moi. Mais ce qui était dramatique pour le coup, c'est que du coup, j'ai perdu mon Pro 15 pouces. Du coup, je me suis retrouvé avec mon MacBook 12 de 2015 et mon iPad Air 2. Et aussi dans une situation financière pas phénoménale, entre guillemets, enfin, ça va, c'était. Mais en gros, j'avais pas envie de racheter tout de suite un MacBook. Et aussi, j'attendais. Il y avait déjà le 16 pouces qui était sorti à l'époque, mais j'attendais la sortie du 13 pouces. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et au bout d'un moment, j'ai plus attendu quand même. En mars, j'ai acheté mon 16 pouces. Mais ça veut dire que. Ou en février, je me souviens plus, fin février. Mais en tout cas, pendant 2 bons mois, j'ai survécu avec ces deux devices et en tant que dev, c'est quand même un Un challenge, exploit. c'est quand même un exploit. Et ce qui était marrant, c'est que je me suis donné le challenge de faire beaucoup de choses sur iPad avec un clavier externe. Alors je savais que ça marchait depuis iOS 10 parce que quand j'étais parti, c'est à l'époque où je volais encore, quand j'étais parti au Pérou avec ma famille, j'avais emporté avec moi que l'iPad avec un écran externe. Et j'avais la bêta d'iOS 10 où il y avait déjà le support pour le clavier, c'était quand même pas mal. Et je savais que plus tu avances dans la version d'iOS, plus tu commences à savoir faire beaucoup de choses, voire tout, avec un iPad. En tant que dev, de toute façon, à un moment donné, tu as peut-être un problème où tu as besoin d'Xcode, tu vois, ou de Final Cut dans mon autre activité, hein, tu vois, parce que c'est le genre de choses que je fais aussi. Mais là, pour le coup, le montage vidéo, il y a pas mal de solutions qui sont arrivées, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'évaluer la faisabilité de la chose en sachant que j'ai quand même un iPad Air 2, donc il y a certaines choses que j'ai pas, notamment, comment ça s'appelle, Sidecar alors ça, c'est un truc intéressant. Pendant la bêta de macOS et iOS l'année passée, ça marchait avec un iPad Air 2, et quand ils l'ont réutilisé en finale, ça marchait plus. Pas de chance. Pas de chance, ouais, ça c'est Et bien riche. ben, parce que le souci, c'est que si ça marchait en bêta, enfin oui. Ouais, ils ont décidé que. Je comprends, tu sais, je suis dev aussi, donc je comprends qu'à un moment donné, tu dois couper l'herbe en dessous des vieux devices parce que tu n'as pas envie de les supporter, t'as pas envie de faire chier à écrire. C'est pas écologique, mais honnêtement, devoir écrire du code pour des trucs d'il y a 50 ans comme ils le font sur Android.
C'est relativement prise de tête, quoi. Du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'honnêtement, j'aimerais vraiment bien, rien qu'au niveau technologique, réessayer avec cette fois-ci une vraie configuration, c'est-à-dire un iPad récent avec le clavier attaché, machin, tatata, avec le truc magnétique, machin, tatata. Sauf que si tu le configures bien, ça commence à devenir bien cher, ce truc. Ouais. Mais bon. C'est le prix d'un MacBook 13 pouces. En gros, ouais. Bon, ceci dit, ça rend les fonctions de beaucoup de choses d'un MacBook 13 pouces, hein, même chose. Il y a des trucs qui sont même mieux, hein, sur iOS. Il y a des tas de choses qui sont mieux. Le support du clavier, c'est encore pas la fête. Là, il faut voir que depuis qu'on a le support de la souris, c'est quand même génial, quoi. C'est quand même le truc qui manquait depuis le début, en gros. C'est toujours rigolo, d'ailleurs, avec Apple, hein. Il y a des trucs qui sont absolument pas possibles, imaginables, qu'on va jamais faire. Comme par exemple un stylet. Et puis, et puis après, ils le font quand même. Mais bon, ouais. Oui, bah, il y a eu le succès de la Surface entre-temps, donc il fallait réagir. Enfin bon. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça se rapproche quand C'est même un du mal. peu. C'est une des raisons pour lesquelles on a Catalyst. Alors, si vous voulez écouter un truc rigolo aussi, c'est que depuis qu'il y a le support de la souris sur Mac, il y a un événement SwiftUI qui s'appelle onHover. C'est en gros quand tu passes ta souris sur un élément. Alors avant, ça n'avait pas lieu d'être sur iOS parce qu'avant, t'as jamais passé, il n'a pas détecté où tu mettais ton doigt avant de toucher l'écran, tu vois. Exact. Là où c'est rigolo, c'est que sur Catalyst, sur Mac Catalyst, quand tu fais une version Mac de ton app iPad, cet événement ne marche pas quand tu passes ta souris sur l'élément. Alors au début tu cherches. Quand tu es dev, au début tu cherches, tu dis mais qu'est-ce que je fais? Je suis con quand même, je fais un truc mal. Puis après tu googles. Et là tu dis, il y a tout le monde qui dit, ah non, ça marche pas sur Mac parce que c'est buggé. Alors il y a un mec qui est phénoménal, qui a réimplémenté le bazar, qui a appelé ça OnOver 2 avec la même interface finale, mais pour les devs. Et donc quand ça marchera sur deux Apple, ben, j'aurai juste à swapper le bazar, tu vois. Oui. Ouais. Je vais faire ça parce que j'ai réimplémenté l'étape de Safari en SwiftUI parce que le composant de base il n'était pas ce que je voulais, enfin parce que le client voulait. Du coup j'ai réimplémenté le machin. Et à un moment donné dans ma reproduction de Safari j'avais tu passes la souris sur le tab et il y a la petite croix qui apparaît. Tu vois. Et là j'avais développé le code tout ça machin. Et ça marchait pas. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Du coup, j'ai testé sur iPad parce que des fois je commençais à avoir un feeling pour tout ce qui est Catalyst et tout ça. Et je testais sur iPad. Sur iPad, ça marche parce que tu as le support. Ça aussi, c'est un truc pas mal. Tu as le support de la souris de ton Mac dans le simulateur, un peu à la manière de VirtualBox ou Parallels, genre. Ça prend ta machine virtuelle prend le contrôle de ta souris. Et si tu veux sortir de là, tu dois appuyer sur une touche. Ceci dit, sur simulateur, ils auraient pu faire un truc plus sympa quand même, parce qu'ils auraient pu faire. Bon, c'est facile de dire quand on doit pas le faire, mais ils auraient pu faire que quand ta souris elle est sur le simulateur, elle appartient au simulateur, tu vois. Mais là, elle est vraiment littéralement prise au piège par le simulateur, et pour ressortir, tu dois appuyer sur une touche, tu vois. Voilà, Spécial. voilà. Ça changera peut-être dans quelques semaines. Ah ben ouais, ben j'espère. Pour moi, c'est. En tant que dev, Je suppose que tu suis en live le WWDC. Ouais, en tant que dev, c'est bientôt Noël, en gros. Hein. D'ailleurs, c'est un peu un problème cette fois-ci parce que j'ai. La fois passée, c'était pratique parce que la dub passée, je venais de. J'étais en train de changer de job. Donc, ce qui d'ailleurs, si on calcule, ça veut dire que je suis resté que 6 mois dans la dernière boîte. Donc j'étais en préavis où j'étais en train d'utiliser les congés qui me restaient. Donc ça m'a permis de suivre toute la dub vraiment complètement en vacances. Ici, j'ai un projet donc avec un client qui me paye. Donc je sais pas comment je vais goupiller ça. Mais je me laisse surprendre parce que je ne connais pas le calendrier d'Apple. Je ne sais pas, ils ont dit il y aura la keynote, mais bon, ça peu importe, c'est en soirée.
Après, ils ont dit que ils ont pas dit ils ont pas spécifiquement dit que ça durait une semaine cette fois-ci, tu vois. Donc si ça se trouve, ils ont dit que c'était en été. Donc si ça se trouve, ça va il y aura peut-être même pas forcément d'événements en live, tu vois, il y aura peut-être que des sessions à la disposition downloadables et tu pourras prendre le temps que tu veux pour regarder. Sinon, l'année passée, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé un maximum de sessions en live, entre autres parce que tu sais comment c'est, tu te dis je la regarderai après. Et puis c'est comme trier ses photos. Voilà. Voilà. Et puis après, t'as jamais le temps parce que tu fais des trucs, machin, tatata. Donc je me suis dit, chaque fois que je me dis que je peux bloquer le temps pour regarder un truc en live, je le fais. Et après, il y a certaines que j'ai regardées. Donc l'année passée, ma dub-dub, elle a duré une semaine et demie en gros. Et où j'avais vraiment. Alors c'est vraiment un truc de geek où tu regardes des vidéos sur les autres, machin, tatata. Tu regardes le plus longtemps que tu peux parce qu'avec la time zone, tu vois, les dernières sessions, genre, il est 1 heure du matin, comme ça. Bon, celle-là, je la regarderai. La dernière, tu peux plus. Le lendemain matin, à cause du décalage horaire, alors c'est ça qui est rigolo. Le lendemain matin, de toute façon, il ne se passe rien avant qu'il soit genre 15 ou 16 heures chez toi. Donc, du coup, tu regardes les enregistrements. Du coup, la dub-dub, pour un dev qui n'est pas sur place, parce qu'évidemment, comme je vole plus, j'y vais plus. C'est chiant le mardi, en fait. Enfin, le mardi matin, il ne se passe rien, en fait. Donc, si tu regardes en live, si tu veux la keynote, derrière, tu regardes ce qu'on appelle la keynote des développeurs, le State of the Union, ce qui est vraiment intéressant pour nous, plus que la keynote. La keynote, tu vois, c'est un truc pour les gens normaux, entre guillemets, marketing, machin, tatata, de la poudre aux yeux. Pour les Voilà. journalistes plus. Pour les journalistes, c'est pas très technique non plus. Voilà, c'est Tim qui explique. Donc, il va pas t'expliquer comment utiliser une API. Hein. Mais la keynote des devs après le State of the Union, en général, c'est assez technique. Et puis, en général, c'est plutôt Craig qui raconte. Et puis, Craig ou d'autres. Mais les mecs qui sont là, et si c'est des gars comme Craig, c'était des devs avant, tu vois. Craig Federighi. Et du coup, c'est tout ce qui se passe le premier jour. Parce que c'est vraiment tout ce qui se passe le premier jour. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a aussi les Apple Design Awards ou quelque chose comme ça, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais du coup, ça veut dire que le premier jour, le mardi matin, les seules vidéos qu'il y a, bah, c'est les vidéos que tu as déjà vues en live, quoi. Du coup, le mardi, les streams commencent. Ce qui fait qu'au moment où je vous raconte, je me dis comment je vais organiser. Je vais m'organiser cette année-ci avec mon client, c'est bien. Je me dis que je vais pouvoir travailler au moins le lundi et le mardi. C'est déjà ça. Alors, il y a des chances. Ouais. Et après, voilà. Après, à partir du mercredi, effectivement, tu as les vidéos du mardi. Donc le mercredi matin, tu peux. Là, si tu veux, tu peux faire mercredi, jeudi, vendredi. Et après, en général, prévois ton week-end. Parce que de toute façon, il y a des vidéos à regarder derrière. Donc je pense que c'est ce que je vais faire cette année-ci. Je vais éventuellement carrément dire. J'ai une certaine flexibilité, je crois, éventuellement prendre congé, entre guillemets, pour pouvoir regarder, quoi, tu vois. Après, c'est simple. C'est combien de temps qu'il te faut pour faire l'application, en gros? Bah là, je suis sur un projet où on a un contrat jusque fin juillet, mais l'app, elle va se développer au-delà. Donc, en gros, j'ai un contingent de. Ça se dit en français, un contingent? Non, Oui. c'est pas un mot français, ça. J'ai un certain nombre d'heures de jour ou de semaines ou quoi que je peux avoir facturé jusqu'ici fin juillet, en gros. Et en gros, dans ce morceau de contrat. Si je travaille moins maintenant, ce qui est le cas au début du développement, et par exemple moins pendant la dub-dub, mais que je travaille plus après, parce que moi je bosse que 4 jours par semaine en fait, de toute façon. Ça fait depuis 2015, moi j'ai toujours bossé 32 heures par semaine en fait. Ça c'est aussi lié à mes activités politiques et d'aide aux réfugiés en 2015. Entre autres parce que je travaillais au goût de mon employeur trop souvent en home office. Donc il m'a dit que je devais absolument maintenant retravailler. Alors
Alors, c'est rigolo d'ailleurs pour l'histoire. À l'époque, je suis passé de 2 à 3 jours en home office par semaine à mon chef qui me disait, maintenant, tu peux rester 2 jours par semaine, 2 jours par mois à la maison. Je me souviendrai toute ma vie de cette réunion entre quatre yeux où le gars, il me faisait passer en gros de 2 jours par semaine à 2 jours par mois. Et je lui ai dit, pardon, pardon, j'ai pas bien compris. 2 jours par mois? Mais comme je savais que c'était tendu et qu'il fallait que je me range, machin, tatata, je lui ai dit, ok, je vois, j'étais sage, ça arrive pas souvent, mais j'étais sage et je l'ai fait. Mais par contre, du coup, je lui ai dit, mais bon, du coup, bah, tant pis, si vous me faites ce coup-là, entre guillemets, est-ce que je pourrais ne plus bosser que 4 jours par semaine pour 80% des thunes, quoi, en gros. Et je m'attendais pas à ce qu'ils disent oui, mais ils ont dit oui. Peut-être que j'étais trop cher, en fait, ils avaient envie de gagner, d'épargner un peu d'argent, ou voilà, ils avaient plus envie de me voir, peut-être. Et du coup, depuis, et après, à l'époque, je me suis dit, on va essayer financièrement si ça tient, si ça se goupille, parce qu'au fur et à mesure de ce qu'il y a comme enfant, ma femme, elle ne travaille pas toujours. Donc, bon, maintenant, c'est bon, on a fini là, on a fini le planning familial, mais j'ai essayé et finalement, je me suis rendu compte que ça marchait et je ne l'ai jamais regretté. Et maintenant, quand j'ai des offres, j'essaye de le mettre upfront et si les gens veulent absolument que ce soit 5 jours, ça m'est pas arrivé de devoir refaire 5 jours, quoi. Ça me permet surtout en tant que... En plus, c'est 32 heures, ça ne veut pas forcément dire 4 jours, tu vois. En général, les 32 heures se font souvent en 5 jours. Parce que ma façon de bosser, c'est qu'en général, je travaille globalement du lundi au jeudi. Genre j'essaye dans l'idéal des cas de faire mes 32 heures sur les 4 jours. Mais en général, 9 fois sur 10, ça se goupille pas pour diverses raisons, parce que j'ai d'autres activités. Et du coup, je suis obligé, entre guillemets, de travailler le vendredi. Le vendredi, c'est mon buffer, si tu veux. Voilà quoi. Bah, c'est vrai que là, avec la pandémie actuellement, j'ai pu beaucoup goûter au télétravail. Et c'est vrai que c'est un certain confort. Alors, il faut réussir à s'organiser comme il faut. Mais une fois le coup pris, c'est quand même un sacré confort, quoi. Ça aurait été Ouais, alors bizarre pour nous dans d'ailleurs, l'industrie. avec ton ancien employeur, de revenir de 2 jours par semaine, pas passer 2 jours par mois, et puis de revenir à 5 jours par semaine. Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en Allemagne, on a un ministre social au niveau de toute l'Allemagne qui a ce plan assez cool de rendre le télétravail comme un droit, en fait, au niveau contractuel. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que il veut faire que en gros, quand tu postes pour un job, quand tu postules pour un job ou quand tu as un contrat, dans la mesure où il n'y a pas de raison particulière qui justifie que tu ne peux pas faire du télétravail, genre si tu es maçon ou menuisier, c'est compliqué de faire du télétravail, mais quand tu es informaticien ou je sais pas moi, comptable ou des trucs ainsi, bah, dans post-prod, machin, tout est faisable, quoi. Après, ça dépend de la taille de tes fichiers éventuellement, c'est le seul truc. Et donc, voilà quoi. Mais ce que veut dire que mon ancien employeur, entre guillemets, aurait entre-temps. Et ça a changé aussi parce que c'était mon chef de l'époque, entre-temps. Quand je suis parti de cette boîte-là, une des raisons pour lesquelles j'étais parti, c'était ça. Et l'autre raison, c'était que j'avais un meilleur salaire. Et aussi que le sujet était plus intéressant parce que c'était travailler dans le monde de la sécurité et tout ça. Mais pour le côté home office, mon chef de l'époque, qui n'était plus le même, m'avait dit non, non, mais ça, si on avait discuté, on aurait organisé ça. Je pense que j'aurais réussi à. Aujourd'hui, dans la même boîte, je pourrais être majoritairement à la maison. Et moi, depuis cette boîte-là, donc je suis parti en fin octobre 2017 et depuis novembre 2017. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Entre-temps, je bosse pratiquement plus que à la maison, quoi. Mon dernier job, j'avais donc le job de 2017, j'avais dans le contrat. Je crois que j'avais dans le contrat partiellement ci, partiellement là, mais c'était pas spécifié combien de temps. Et on avait dit à l'époque 1 jour par semaine, j'irais à Düsseldorf, ce qui est quand même à 1 bonne heure de chez moi. Donc j'ai dit oui. Donc parce que je passais quand même à l'époque de
un truc pas régulé à un truc où je disais 3 jours à la maison, un jour au bureau, donc c'était cool déjà. Et au final, il s'est avéré que dans l'implémentation, j'avais même pas besoin d'aller une fois par semaine là, j'allais globalement une fois par mois là, quoi. Quand on avait absolument besoin de parler, qu'il voulait absolument me voir, machin, tatata. Et du coup, quand j'ai pris l'autre job l'année passée, dans lequel je suis resté très peu de temps, dès le départ, eux, ils ont voulu par contre avoir un jour fixe. Enfin, pas forcément fixe, mais que j'allais un jour par semaine là-bas. Mais c'était plus près, c'était à Aix-la-Chapelle. Moi, je suis à Durine, qui est entre Cologne et Aix-la-Chapelle. Donc, c'était plus près. Et donc, ça ne m'a pas posé de problème, et je l'ai fait. Et aujourd'hui, là, le projet sur lequel je suis, par exemple, qui est un projet en tant que freelance, c'est complètement remote. Entre autres parce à cause de Corona, parce que ce que tu entends souvent aujourd'hui, c'est ouais, pendant qu'il y a Corona, c'est remote, mais après Corona, ce sera plus remote. Alors, moi, d'un côté, je me demande toujours c'est quoi après Corona? Vous me dites quand? Mais moi, pour l'instant, on est toujours dans Corona et on risque d'y rester longtemps. Donc, moi, aller voir plein de gens dans un bureau, je suis pas super emballé, quoi. Là, pour l'instant, c'est full time à la maison. Et à un moment donné, on va devoir aller faire un tour à Hambourg, parce que le client, il est à Hambourg, donc en plus, c'est pas la porte à côté. Ouais, enfin, c'est une flexibilité. Moi, du coup, depuis qu'il y a Corona, évidemment, tout le monde a découvert le télétravail et entre autres les outils qu'on utilise, tu vois, les outils de streaming, machin, tatata. Bon, moi, c'est tous des trucs qu'on connaît, évidemment, quoi. Mais c'est là où tu te rends compte que la digitalisation de beaucoup de nos sociétés, mais aussi écoles ou systèmes, ou systèmes politiques, par exemple. Il y a beaucoup de gens qu'il fallait, on a dû prendre avec nous dans le chemin de la digitalisation et leur expliquer des trucs. Et moi, je suis assez positivement surpris que ça a bien marché pour plein de choses. Moi, pour mon travail, par exemple, je suis dans le, comment ça s'appelle? Espèce de comité de direction des Verts ici. Donc, je ne suis pas retourné sur la scène politique, pas encore au niveau conseil communal et machin, mais je suis sur le côté organisation du parti, tout ça. Et nous, avant, on se voyait une fois par mois en physique. Et maintenant, on se voit plus qu'une fois par mois. On se voit pratiquement toutes les 2 semaines sur GoToMeeting. Et je sais qu'il y a deux autres gens que je connais qui, eux, se voient que absolument, qui veulent se voir que en physique. Ouais. Et là, il y a certaines structures que je connais qui sont en train de rentrer dans un mode moitié-moitié, quoi. Il y en a une partie qui se rencontre en physique et les autres ne se rencontrent pas physique. Alors ça, pour le coup, techniquement, c'est pas facile, quoi. Parce que tous les gens qui sont en physique à un endroit, si jamais ils parlent, il ne faut pas qu'ils parlent ensemble, sinon il y a du larcène à cause qu'un micro, son de l'autre, machin, tatata. Et à l'inverse, les gens qui sont chez eux, bah, tu dois les projeter sur un écran dans la salle. En plus, les gens qui ne sont pas online, bah, c'est les gens qui sont forcément assez anti-online. Donc, c'est des gens auxquels tu vas avoir du mal à dire, viens avec ton ordinateur et connecte-toi, même si tu vois les autres, ceux qui sont online et ne te voient pas. Donc, une conférence hybride, c'est vraiment un truc qui est vraiment pas facile. Sauf si tu as un truc du genre, c'est Microsoft qui fait ça c'est un truc avec plein de caméras. On avait ça dans la boîte où je bossais à l'époque entre 2014 et 2017. C'est un truc que tu mets au milieu d'une. C'est un peu comme une. Une caméra 360 degrés, plus ou moins, dans Ouais, la c'est une pièce. caméra 360. En fait, il y a 6 ou 8 caméras avec des micros. Et en fonction de qui parle, bah, comme là sur Jitsi, elle switch sur la bonne cam, quoi. La bonne caméra. Et ça, c'est assez génial. Mais de mémoire, c'est assez cher aussi. Vraiment très, 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 très cher. Mais ça, c'est un truc que j'espère aussi au niveau de digitalisation. J'espère que tout ce qui est, tu vois, ça perturbe en fait peut-être tout le monde, ce qui est marqué sur mon t-shirt depuis le début, nationalité, point d'interrogation, et en dessous, il est marqué humain. Ou personne, tout simplement. Ouais, j'espère qu'il va y avoir plein de choses en place pour un monde un peu plus digital, quoi. Parce que moi, personnellement, ça va, quoi. Ça me manque un petit peu, évidemment, de me prendre dans les bras avec des gens, machin, tatata. C'est un peu plus. T'es plus réticent à prendre la conversation en fonction du setup dans lequel tu es physiquement, si, genre, tout le monde n'a pas un masque, machin, tatata.
En plus, parler avec des masques, c'est pas évident. Moi, j'ai une copine qui est malentendante, par exemple. Enfin, une assez vieille copine, mais quand même une copine. Et comme, enfin, en l'occurrence, elle n'est pas malentendante, elle est juste très vieille et elle a des appareils auditifs depuis des années, mais ça commence à devenir très très compliqué. Du coup, elle a développé cette faculté de lire sur les lèvres au fil des années. Et là, bah, quand tu portes un masque, elle a plus C'est fini, quoi. Ouais. Je te parle même pas des malentendants, pour eux, c'est vraiment catastrophique. Mais voilà quoi. Sinon, Et sinon, tu espères un nouveau produit bientôt ou pas chez Apple ou pas du tout? Tu espères qu'ils se lancent dans la voiture électrique, par exemple? bah, d'une part, je m'en fous un peu entre-temps, tu vois, le stuff de 2020, il s'en fout un peu, parce que comme je suis devenu moins, vachement moins groupie, fan d'Apple, machin, tatata, j'ai plus de mal à m'exciter. Hein. Mais après, je te donnerai une réponse quand même. Mais entre-temps, ce qui je trouve rigolo, c'est que comme. Mais c'est de ma faute, hein, c'est moi qui construis le monstre. Hein, mais dans ma famille, je suis la référence d'Apple. Et du coup, il y en a toujours un pour me demander alors quand est-ce qu'il sort le prochain iPhone, machin. Déjà, ça, c'est la question la plus conne de l'univers. Parce que ça fait 10 ans que je dis aux gens en septembre. Et là, pour le coup, s'il y a un truc qui n'a pas changé depuis 10 ans, c'est que les iPhones, ils sortent en septembre. Toujours, tous. Les iPads, ça change, les iPods, ça change, les Macs, on ne sait jamais quand ça arrive, mais les iPhones, ils sortent en septembre. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Donc, et ensuite, voilà quoi. Sinon, ouais, je vais essayer de répondre à ta question. Ben, quand ils mettront à jour l'Apple Watch, mais ils ne sont pas obligés de la mettre à jour tout de suite. On parlait de quand on change machin, tatata. J'ai acheté la première Apple Watch à l'époque 2015, que j'ai toujours d'ailleurs, mais on ne l'utilise pas. Mais, enfin, si ma fille, des fois, mais pas souvent. Ça, c'est la série 0 Elle en gros, fonctionne encore. celle qui a toujours WatchOS 4. Et en 2017, au moment où j'ai commencé dans la société avec le grand écran, machin, tatata. Non, ils ne m'ont pas payé l'Apple Watch. J'ai demandé, je ne l'ai pas eu. Mais je l'ai quand même demandé. J'ai acheté moi-même. Et donc, j'ai été en 2017. Je ne pense pas que je vais changer cette année. Non, je ne vois pas pourquoi je changerais. Elle marche encore très bien. Mais quand ils changeront un jour, quand ils mettront à jour l'Apple Watch, je trouverais vraiment bien, c'est d'avoir une caméra, tout simplement, frontale. Alors, une caméra de merde, hein, on est d'accord. Hein, parce que vu la taille du bazar, j'attends pas à ce qu'ils me mettent du Full HD, du 4K. S'ils mettent une caméra VGA, ça me va. Et puis pour ce qui est des webcams de merde, je pense que Apple, ils sont assez bons en fait. Ils ont de l'expérience dans les webcams de merde. Donc Moi, je pense même qu'ils en ont du stock voilà, encore. sinon à part ça. Ouais, bah, ils doivent leur en rester quelques-unes, justement. Et moi, je pense que, sérieusement, peut-être que les caméras sur les 12 pouces, elles rentrent peut-être si tu pousses bien. Dans les watches. Puis comme les watches, elles deviennent de plus en plus grandes de toute façon, c'est comme les téléphones, tu vois. La première fois que j'ai vu une série 4, 40, c'est quoi entre-temps, 44, c'est ça, 44 mm sur le poignet d'un pote à moi, je dis putain, mais c'est énorme! Et ben moi, à l'époque, j'avais vu, alors je sais pas si ça se voit ici, mais à l'époque, quand j'avais acheté ma série 0, j'avais justement opté pour la petite. Parce que je me disais que ce serait assez bien. Et aussi, je me disais que quand ma femme va la récupérer, ce sera moins moche sur sa. Sauf que ma femme, elle m'a rapidement fait comprendre le message qu'elle n'en a rien à faire d'une Apple Watch, elle n'en veut pas. Donc, j'ai la chance de vivre avec une femme relativement technologique, ce qui est pas mal au niveau écologique, mais elle a une montre avec des aiguilles, quoi. Mais ceci dit, j'ai rapidement remarqué de l'utilisation, c'est quand même petit cet écran. C'est quoi, 38 mm, je crois, 38 mm. Et du coup, quand j'ai racheté une. Et en plus, il y avait la batterie aussi. La batterie, forcément, si tu achètes une petite, ça dure moins longtemps. Et du coup, quand j'ai racheté la série 3, j'ai acheté une grosse. Ceci, la motivation pour acheter une tellement de changer de taille, c'est. J'ai acheté la série 3 en rouge, donc avec le LTE, avec la eSIM. Et ça, c'est le truc, si tu m'aurais demandé à l'époque, ben, c'est ça la réponse que j'aurais donnée. C'était dès le départ, c'était ben, l'Apple Watch, c'est bien, mais sans téléphone, c'est moins bien. Donc ça, c'est génial parce que il y a plein de fois, ben, pas plein de fois, mais de temps en temps,
je pars quelque part sans mon téléphone. Voilà, et sinon, et payer avec, avec Apple Pay, c'est plutôt pas mal. Alors là, pour le coup, je suis resté plus relativement éthique. Je n'ai pas changé de banque. J'ai attendu que ma banque éthique, et ça a duré longtemps. Ils viennent juste de l'avoir il y a un mois. J'ai attendu que ma banque ait Apple Pay. Et depuis, je dois dire que je suis un peu... un peu comme une adolescente qui écoute Justin Bieber, en gros. Avec, parce que payer avec ton Apple Watch, c'est quand même génial, quoi. Surtout quand un mec comme moi qui oublie tout le temps son portefeuille. Ben alors là, tout le temps. Du coup... Il demande cher coup, pour l'ISIM en Allemagne. Moi, j'ai la chance de l'avoir encore dans mon contrat, de la boîte que j'ai quittée, là où j'ai récupéré le contrat. Mais sinon, je vais changer bientôt et je ne l'aurai plus. Et je sais que c'est 5 euros par mois en général. Oh, ça va encore. Voilà. Parce qu'en France, je crois que c'est... Bien chez vous. En France, je pense que ça monte à 10 euros. En Belgique, je crois qu'il y a seulement Orange qui va le faire en Belgique pour le moment. C'est encore inexistant ici, mais en Belgique. Donc. Ah, ça je crois qu'il y a encore Orange qui commence à le faire. Mais... Ah ouais. Bah, nous, ce qui est bien en Allemagne, c'est qu'on a les deux grands, la Télécom et Vodafone, qui le font. Donc là, je vais changer, je vais probablement passer chez Vodafone. Et heureusement, ils le font aussi. Voilà. Mais moi, j'ai carrément, de mon ancien contrat, j'ai carrément une multi-SIM, c'est-à-dire que j'ai 3 SIM en tout. Enfin, j'ai 2 SIM réelles et une eSIM. Et du coup, ma 2e SIM, je l'ai mis dans mon Fairphone. Mais là, sur mon nouveau contrat, je vais prendre que une eSIM. Je ne vais pas payer 5 euros par mois pour mettre une SIM dans mon Fairphone, que j'utilise très, très peu, d'ailleurs. J'ai essayé. Hein. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Je vous promets que j'ai essayé d'utiliser le Fairphone. Hein. Mais aussi vachement meilleur qu'il soit que le Fairphone 2, c'est quand même pas un iPhone, quoi. Parce que ça, c'est Android OS 9. Ça, c'est un Fairphone 2. Et ça, c'est un Fairphone 3. Voilà. Alors, c'est des briques, hein. Mais c'est mieux quand même. Le 3, c'est quand même mieux. C'est moins une brique qu'avant. Surtout si t'enlèves la haute, ça commence à devenir un truc. Parce que ça, il a un bumper, en fait, si tu veux. Donc, si tu enlèves le bumper qui est bien attaché, sa mère le bumper, si tu enlèves le bumper, après derrière ça reste un truc, c'est un truc assez slick quand même, tu vois. Oui, mais au moins tu peux, enfin, du moins en théorie, tout remplacer toi-même. Regarde, regarde. Oh, ben qui c'est qui est là? Oh, bonjour. Un vrai miroir. Et ouais. Ben, après, voilà, comme beaucoup de téléphones Android, il a le capteur d'empreinte. D'ailleurs, derrière, c'est pas trop mal, d'ailleurs, par rapport à en bas. Enfin, soit. Il y a plein de choses qui sont vachement mieux que le Fairphone 2. Il a une caméra un peu meilleure, quand même. Il a un énorme problème qui est il n'a pas de stabilisation vidéo. C'est-à-dire que faire des vidéos avec sa qualité de la tout le temps avoir téléphone non, en fait. Il n'y avait pas de téléphone il y a 30 ans, mais bon, c'est pas grave, je suis dans Retour vers le futur, en fait. Et ouais, donc ça, c'est dommage. Et après Android, quoi. Ouais, quoi. Alors c'est vachement mieux qu'avant, mais moi je suis désolé, moi il y a des trucs où je m'y fais pas. Il y a des trucs qui sont mieux, je dis pas le contraire, que sur iOS, mais globalement trucs. En plus, en tant que dev, et surtout un mec qui s'intéresse à la protection de la vie privée, c'est, tu sais, j'ai écrit un livre sur la protection de la vie privée, et du coup, je me suis intéressé. Récemment, j'ai donné des conférences où on m'a demandé d'être un petit peu plus généraliste. Donc, j'ai parlé d'Android, j'ai même parlé... Ah non, ça, c'était pour l'énergie, en fait. C'était pour la conférence sur l'énergie. Mais la protection de la vie privée, j'ai regardé aussi un petit peu sur je me souviens, j'ai regardé ça aussi sur Fairphone, et j'ai découvert des trucs qui m'ont fait délirer sur Android, quoi. Comme par exemple le fait que quand tu donnes accès, si tu as une app qui utilise le Bluetooth,
Ça va être sympa d'ailleurs pour les apps, pour toutes les apps Covid. Sur Android jusqu'à Android 10, c'est-à-dire avant Android 11 qui n'est pas encore sorti. Quand tu veux donner accès au Bluetooth, tu es obligé de donner accès à la localisation. En fait, c'est la même API en fait. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand tu passes sur Android et que tu viens iOS et que tu installes une app et qu'il y a une certaine app qui te demande accès à ta localisation et que toi tu te dis, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, tu vois. Et après, on t'explique que c'est parce qu'elle a besoin de Bluetooth. Et là, tu te dis, mais quel rapport? En fait, c'est la même API. Et heureusement, dans Android 11, ils l'ont changé. Mais après, tu sais comment c'est la vitesse à laquelle les gens mettent à jour leur système d'exploitation sur Android, c'est phénoménal. Là, je travaille sur un projet. Le dev Android, il supporte une version. Quand il m'a dit la version, j'ai dit putain, ah ouais, quand même, hein. Voilà. Ça promet quoi. Enfin bon. Bon, je pense qu'on Mais va. comme tu On parlais de va. l'application Stop Covid là, bon, le gouvernement français a publié le code Ouais. source pour les deux versions, iOS et Android. Et donc une des choses qu'ils font sur l'Android, je pense sur iOS aussi, c'est désactiver l'économie de batterie. Ouais. Mais alors dans la version d'Android, pour désactiver l'économie de batterie, c'est rempli quasi que c'est une boucle qui fait des if pour ah oui, si j'ai un appareil parce qu'évidemment c'est pas la même chose si tu as un appareil Samsung, si tu as un appareil Huawei, si tu as un appareil je sais, ils ont les cinq plus gros là Ah ouais, parce qu'en plus, ils doivent faire une app c'est pour eux, pas ils doivent faire une app qui ils doivent marche donner partout. le nom du package, enfin du package où je me comprends Ouais. chaque fois le nom du package pour aller jusque là. Je dis, mais enfin, allez, t'imagines le je plains le développeur. Ah non. Non, C'est moi, je comprends pas pour... moi, je comprends pas pourquoi les gens sont dev Android. La vie est trop courte. Non, mais c'est vrai. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis dev iOS, c'est que je suis fondamentalement fainéant. Donc, je veux pas. Pourquoi j'aimerais me rendre la vie compliquée, quoi. C'est dommage, hein, parce que ça pourrait être un truc bien, Android, mais c'est juste que la façon dont ça s'est développé, c'est parti dans tous les sens. Et tu fais comme app. Si tu fais une app, la majorité des apps sur lesquelles je bosse, ben, les devs Android, derrière, ils supportent spécifiquement les devices Samsung du S, j'en sais rien, moi, jusqu'au S machin, tatata. Et ils supportent une ou deux marques. Sauf que quand tu fais une app comme Covid, tu es obligé de supporter plein de devices parce que tu veux avoir le plus de gens possible. Et après, il y a un autre truc sur Android, c'est que les marques qui marchent, entre guillemets, ça change. C'est-à-dire que Samsung, ça a toujours été un truc depuis très très longtemps. Google, ça l'était pas toujours, mais ça l'est maintenant. Enfin, les Pixel. Maintenant, il y a pas mal, il y a beaucoup de Huawei. À une époque, il y avait plein d'HTC. Aujourd'hui, HTC, ça n'existe plus, autant que je sache. Enfin, en tout cas, si ça existe, j'en entends plus parler. Et Mais tu vois, mais un truc de base, enfin, comme moi je m'attendais à ce que ce soit de base d'Android qui est activé ou pas l'économie d'énergie, je m'attendais pas à ce que ce soit différent pour chaque marque d'appareil qui vendent. De... Tu sais que j'avais J'étais oublié. scié de voir ça, quoi. Tu sais que j'avais oublié que je disais que c'est le bordel derrière moi et que j'ai pas de moyen de cacher ça, mais en fait j'ai oublié que sur Jitsi il y a Blur My Background et je crois que ça marche pas trop mal de mémoire. Bah d'ailleurs ça marche pas du tout d'ailleurs. Bah, c'est en bêta si j'ai vu, donc. Ouais, mais ça. Ah voilà. Tu vois? Mais du coup par contre c'est super lent, c'est ça, non? Vous me Ah oui, voyez là lent on a monsieur? perdu du FPS là, Ah mais grave! ouais. Hein? Eh non, mais je crois que c'est mon Mac qui a du mal parce il fait tout en local en fait. Remarque, c'est funky, hein. Ça le fait aussi, moi. Mais c'est de ma faute aussi parce que ce qui est bien avec Firefox, c'est que quand tu essayes de le fermer, il te dit le nombre de tabs et de fenêtres que tu as d'ouvert. Et là, il vient de me dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir fermer 21 fenêtres et 216 tabs? Oui. 21 fenêtres, 216 tabs. Putain! Moi, je suis le mec qui ferme jamais ses tabs, tu vois. Donc ça Voilà. explique Et du aussi coup, pourquoi le ventilateur tourne. Non. T'as pas des ouais, ça c'est pas vidéos sûr. en background quelque part?
Non, bah grand non, mais j'ai ouais, c'est clairement Firefox. Dans, tu sais, alors dans le menu, c'est J'allais pas dire du écologique. Java, mais du Flash, mais bon, Non, alors le ça menu, c'est fini. le menu batterie, using significant energy, bah, je vous le donne dans le mille. Quelle est la seule app qui est là-dedans, quoi? Firefox. Et si je vais dans mon Activity Monitor, eh ben, j'ai Firefox Web Content qui bouffe 150% de mon CPU. Et j'ai Firefox lui-même qui pousse 50% de mon CPU. Mais si je trie par ordre de nom et que je prends tous les Firefox WP Content, oh non, les autres ils sont négligeables. C'est 0, mais là, je pense que c'est le truc sur lequel on est là maintenant, là, qui bouffe, parce que le reste, c'est tout fermé. Alors, ce qui consomme des fois, c'est d'expérience, c'est Facebook. Là, je vais couper le background. C'est Facebook, Ouais, mais bon, ça. YouTube, évidemment. Ouais, bah, Facebook, le mieux, c'est de pas l'avoir, hein, mais à plein de niveaux, mais. Moi, je suis un peu pris au piège parce que Facebook, c'est un peu pour moi un outil marketing politique et technique, mais surtout politique. Donc, et familial dans une certaine mesure aussi, mais la famille, je pense que je serai au courant par iMessage aussi. Moi, j'ai pas WhatsApp, c'est pas mal déjà. Ça, c'est assez rare, quelqu'un qui n'a pas WhatsApp. Ouais, bon, moi WhatsApp, ça m'a souvent saoulé parce que bah, d'abord, c'est un channel en plus que tu donnes à Facebook. Mais entre autres, c'est surtout que. Ceci dit, pour le coup, il vaut mieux utiliser WhatsApp que Facebook Messenger parce qu'au moins, WhatsApp, c'est sécurisé, quoi. C'est encrypté. Alors que Facebook Messenger, ça n'est pas. Twitter non plus, d'ailleurs. Mais iMessage, si. Mais c'est surtout que WhatsApp, ça chatte tout le temps, quoi, tu vois. Donc, j'ai à peu près tout ce qui est pensable et imaginable. Signal, Telegram, Wire. Sur Wire, j'ai vraiment personne à part Vince et un pote politique. Mais WhatsApp, j'ai évité parce que ça va dans tous les sens. J'ai eu deux fois WhatsApp dans ma vie. Il y a quelques années, je ne sais plus très bien pourquoi. Puis j'ai enlevé. Ayant récemment, il y a 2-3 ans, parce que un réfugié dont je m'occupais n'avait que WhatsApp. Et donc, comme je voulais l'aider, je lui ai mis WhatsApp. Mais entre-temps, alors ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, ils ont un groupe de famille, comme je pense que probablement toutes les familles ont. Mais j'ai délégué ma femme pour me tenir au courant de ce qui se dit là, ce qui est pratique. Hein. Du coup, je suis pas obligé de lire tous leurs trucs. Et quand il y a des news importantes, ben voilà, on me le dit. Enfin, voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on va tout doucement arriver à la fin. Ah oui, c'est déjà Parce que 21h10 là, ouais. Ah oui. ça fait 2 heures là. 2 h 10, donc je Ils en pense que c'est sont où pas dans mal. l'ISS? Alors, j'ai plus regardé moi. Hein, j'ai juste regardé la première demi-heure avec laquelle j'étais avec vous après. Hein. Mais je vais peut-être retourner regarder. Non, mais d'abord, je vais aller manger. Allez, bah. Je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Ils ont sûrement mangé sans moi entre-temps en plus. Sois Bon habitué appétit. parce que ces derniers temps, je fais beaucoup de conférences au soir, machin, tata. Puis là, c'était sympa d'être avec vous. Je pense que je vais quand même la publier parce que c'était sympa. C'était comme un peu, c'est un peu le revival, c'est un peu podcast en 2015, mais dans la version 2020 en fait. Donc la qualité des vidéos n'a pas changé, c'est toujours aussi pourri. La qualité des micros, c'est comment, eh ben, c'est bien, tu vois. Pour ne pas avoir branché un micro externe que j'ai, d'ailleurs, j'ai un Zoom H6. Tu vois, si je savais juste où il était, quelque part ici en bas, j'en sais rien, j'aurais un bon micro. Et en plus, j'ai horreur des trucs avec un mauvais micro. Mais là, comme c'était un peu un truc vraiment impromptu, entre guillemets, voilà, ça fait. Mais je promets que si je redémarre ce truc en vrai, ce sera. Ma cave, ce que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns dans ma cave à Blatzheim, mais où j'étais encore un petit peu actif. Et ce sera avec un vrai micro. Et je préviendrai les gens un peu plus tôt, mais ce que je dis, pour terminer là-dessus, le concept, c'est vraiment de faire ça, quoi. Le concept, c'est vraiment de faire
de faire via une plateforme ou l'autre. Alors peut-être pas Zoom pour des raisons de vie privée, mais après Jitsi, c'est pas la fête non plus. Sur une plateforme ou l'autre, en vidéo comme ça, et en discutant de tout et de rien. Alors je pense que je vais saouler les gens avec mes sujets éthiques, mais tant pis, ce sera clairement, je mettrai quelque part en gros tagline Pomcast 2.0, ça n'a pas plus grand chose à voir avec Pomcast 1.0. Mais voilà. Après, je reste souvent un nerd d'Apple, incurable, entre guillemets. Ah, ben ça, c'est rigolo. Soit il y a quelqu'un qui arrive. Ah, bah c'est peut-être Pof pour le coup, parce qu'il avait dit qu'il viendrait peut-être plus tard. Oh, bah non, j'avais faim, moi. Pof, c'est toi? Bah, il est reparti. Ah, ah. Parti aussi. Eh ben, on va dire que Pof viendra dans la deuxième épisode, qui aura lieu, on ne sait pas quand, dans les prochaines 15 années. Bah, le 31 mai 2021. 30. En fait, j'ai l'impression d'être en retour vers le futur avec 85 et 2015. Tu vois ? C'est un peu ça, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de projets qui pseudo-vivent en mode zombie 15 ans après. Hein. Non. Moi, ah, dis, on est sur du record, je pense, même. Ouais. Moi, je dis c'est pas si mal, en fait. C'est comme avec ma conférence. Hein. J'avais pas répondu à ta question tout à l'heure, en fait, Marcos, mais quand j'ai quitté la boîte, juste avant de quitter la boîte, j'avais plus trop envie de faire la conf parce que je l'avais fait 5 fois, je crois. Du coup, je voulais par contre qu'elle s'arrête pas, donc je l'ai laissée dans de bonnes mains. J'ai dit à mes collègues, bah, voilà, je me barre de la boîte, mais je vous laisse la conf. Vous pouvez continuer à la faire vous-même. Et après, je suis revenu juste faire le MC, tu vois, et j'ai donné une fois un talk. Et là. Ouais, mais entre-temps, tu avais déménagé aussi, donc c'était moins pratique aussi pour toi de faire le talk sur place ou... Non, je n'ai pas déménagé de grand-chose, hein, j'ai déménagé juste de 12 km en fait. Hein. Ah, ok. Je pensais que c'était plus. J'ai déménagé principalement parce que mes filles, ma fille était à une école ici depuis 2 ans et la plus petite commençait. Et comme c'était à 12 km, ma fille, elle mettait à l'époque 1 heure en bus aller, 1 heure retour. Ouais. Et comme on savait que la deuxième allait aller au même collège bilingue ici, comme on espère que nos garçons iront aussi, c'était un bon timing, mon gamin commençait à le préparer. Ma femme, elle travaille à Durban aussi. Donc au final, j'ai vite fait le calcul mathématique. J'étais globalement le seul à ne pas avoir de relation avec Durban au niveau voilà, local. Et que moi, je travaille souvent de chez moi. Et du coup, on a cherché une maison près de l'Athénée, si tu veux, ou du collège, ou du lycée, ou quoi. Et on en a trouvé une à 800 mètres. Et du coup, ça leur change de... Ouais, du coup, c'est plus cool pour elles, parce qu'elles vont à l'école en marchant, tu vois, tout le monde va à l'école en marchant, ou en vélo, au pire. Et du coup, voilà, mais et après la conf, c'est... Mais par contre, cette année-ci, je leur ai demandé cette année-ci si je pouvais pas la récupérer éventuellement parce que j'aurais eu envie de refaire quelque chose. Et puis surtout, ça me plaît, il y avait 2-3 trucs qui faisaient ces dernières années qui me plaisaient plus trop. J'étais en bon contact. Bah voilà, quand tu laisses ton bébé quelque part et qu'à un moment donné, c'est pas exactement ce que tu imaginais que ça allait être, c'est un peu énervant. Mais. Voilà, mais ceci dit, la deuxième génération de podcast avec Feel Good et Pof, ils ont bien géré mon bébé. Donc quand je l'ai récupéré, il a été en bonne main. Mais là, entre autres, j'aurais envie de faire tout ça online maintenant, tu vois, parce que maintenant c'est plutôt la trend en fait, c'est de faire des confs online en fait, et ça s'organise quoi, tu vois. Donc je pense que c'est la direction que je vais prendre quoi. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui est passé tout à l'heure, mais c'était quelqu'un. Et entre parenthèses, pour la petite histoire, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur Jitsi, tu mets un nom de channel, et s'il n'est pas réservé, tu le crées. Tu vois Pomcast, je n'ai même pas eu besoin de le créer, il existait déjà. Parce qu'il s'avère qu'il y a des Pomcast d'autres... Il y a des autres podcasts entre-temps qui s'appellent Pomcast qui sont sur d'autres sujets, comme par exemple il y a un type de chien qui s'appelle, je crois, le Pomeranian, un truc comme ça, et donc il y a des gens qui font un podcast sur le chien qui s'appelle Pomcast, machin.
Et du coup, ça veut dire que c'est un peu le truc rigolo avec Jitsi, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans ce channel, tu vois. Tu vois? Et tu peux juste le jeter. En plus, les gens s'appellent, en général, c'est le truc particulier avec Jitsi, les gens s'appellent fellow jister, ils n'ont pas de nom, leur caméra n'est pas allumée, tu les entends pas, et donc tu sais jamais qui c'est qui rentre, en fait. Tu vois? Donc je pense que c'est pas la plateforme idéale non plus, Jitsi, tu vois. Donc, mais entre-temps, j'ai entendu dire qu'on peut faire aussi du. Faudrait peut-être essayer, d'ailleurs, j'aurais peut-être essayé. On peut faire du multi aussi sur Skype. Aussi, apparemment. Et si ça marche sur Skype, honnêtement, moi Skype, j'aime bien. À l'époque, on l'utilisait déjà pour podcast. Idéalement, je voudrais bien. On pourrait le faire aussi sur FaceTime aussi, en fait. Je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais le problème de FaceTime, c'est que il faut que tu invites les gens de mémoire. Tu vois. Ceci dit, à l'avenir, si je le fais, ce sera plutôt en invitant les gens, quoi. Tu vois, enfin, je dirais aux gens, si vous voulez venir, venez, c'est ouvert à tout le monde, machin, tatata. C'était déjà le cas de Comcast à l'époque. Mais faut que je sache quand même qui vient à peu près, quoi, tu vois. Parce que les gens qui arrivent comme ça à l'improviste de n'importe où. Ben, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait ça avec des potes, on s'est fait. Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a crié très fort et qui a commencé à tous nous jeter. Ah. Et on a réagi assez rapidement que pour jeter le gars, en fait. Ah ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de Ouais. priorité du premier qui arrive ou quelque chose comme ça, quoi. Rien du tout, en D'accord. fait. Et encore, il y a des trucs que j'ai découverts sur Jitsi, je vais même pas vous les dire, sinon tout le monde va le savoir. Il y a des trucs de ouf, en fait. Des trucs où tu te dis, mais attends, c'est des mecs. Mais bon, voilà, quoi, après. Par contre, il y a un truc qui est vraiment génial sur GT, mais je pense que c'est à peu près sur tout le monde, c'est la connexion des gens, en fait. Tu vois, en haut à gauche, si tu hover sur les gens, tu vois, par exemple, toi, magicien, tu n'as pas de perte de paquet, tu n'as pas de paquet de loss, Marcos non plus, mais moi, je dois en avoir tout plein. Moi, j'ai 17% de paquet de loss en download. Si tu regardes en haut à gauche, Ah mon oui. image, il y a un truc de stat, et tu vois, maintenant je suis carrément à 20% de packet loss, et mon bitrate, tu vois, je suis à 541K de download, ce qui est une catastrophe phénoménale. OK. Alors que, ouais, que vous êtes d'un côté à 1 méga en down, et de l'autre côté à 2 méga 6 enfin en down, tu vois, ce qui est normal quand on a un bon wifi et quand on n'habite pas dans un château comme moi, tu vois. Bon, c'est pas un château non plus, c'est une maison moyennement grande, mais c'est pas un château. Bon, ben sur ce fut un plaisir d'être avec vous, c'était sympa, c'était cool, Bah, un plaisir partagé, en tout cas, ouais. ouais. Et puis voilà, je sais pas quand je vais poster ça, si je vais poster ça, mais on verra quoi. Je vais appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement d'ailleurs. Je sais pas où c'est. Rec. Je suppose qu'il va me le dire au bout d'un moment. Tac. Ah, stop recording. Stop recording. Confirm. Ah ben voilà, du coup, je dis au revoir à tout le monde parce qu'après, comme ça, j'aurais pas à couper en plus. C'est bien, je me fais moins de travail à la post-prod. Voilà. Ce sera en brut de décoffrer. Et bon appétit. Messieurs, bon app aussi à vous, éventuellement, si vous n'avez pas encore mangé, et sinon, à très bientôt, sur Pomcast ou ailleurs. Ciao. Ciao. Salut.